Un des genres de jeux vidéo les plus anciens et vénérables est celui des platformers 2D, c'est-à-dire où sauter avec précision était l'élément de gameplay principal. Pour diverses raisons principalement techniques, il était particulièrement adapté au fonctionnement des consoles 8 bits, à commencer par la NES et la Game Boy de Nintendo. Et c'est donc un genre qui a complètement dominé les premiers temps du jeu vidéo sur console sur la fin des années 80, avant d'être progressivement supplanté par les RPG durant l'ère 16 bits, puis par les jeux à la première personne après l'arrivée de la 3D. Mais si vous étiez amateur de jeux vidéo durant l'ère 8 bits, vous n'avez pas pu passer à côté des platformers qui constituent encore aujourd'hui la grande majorité des classiques de la NES proposés sur console virtuelle. J'ai personnellement beaucoup d'affection pour ce genre, qui à mon avis a été abandonné avant que ses possibilités ludiques aient été pleinement explorées. Et apparemment je ne suis pas le seul à m'être fait cette réflexion, au vu de sa résurgence durant cette dernière décennie, grâce notamment à la scène indépendante, et en particulier, au vu de l'existence et du succès du jeu dont on va parler aujourd'hui, Shovel Knight. Shovel Knight est un platformer 2D d'inspiration rétro, développé et publié en 2014 par le studio indépendant nord-américain Yacht Club Games, avec le soutien de près de 15 000 contributeurs à sa campagne de financement participatif sur Kickstarter, ayant levé plus de 300 000 dollars, c'est-à-dire 4 fois le montant demandé. On ne compte plus les récits horrifiques de projets Kickstarter s'étant enlisés dans un développement interminable, ou qui ont complètement déçu leurs donateurs, ou qui ont gaspillé l'argent accumulé dans des projets annexes chaotiques, ou les trois à la fois, hein? Mais Shovel Knight n'en fait pas partie, et c'est même tout l'inverse, puisque non seulement il est sorti vite et a satisfait tout le monde, mais en plus il a continué de sortir du contenu gratuit pour les donateurs de la première heure qui en ont très largement eu pour leur argent. Le jeu se présente comme un hommage à toute cette époque 8 bits, et en particulier à Megaman, dont il constitue le plus flamboyant successeur spirituel moderne, ce qui fait qu'on va beaucoup parler de Megaman dans cette vidéo. Mais pas seulement, puisque Shovel Knight pioche des idées dans l'ensemble du genre, dont il se veut une sorte de synthèse. Et on va également faire référence aujourd'hui à Super Mario Bros., à Ninja Gaiden, à Zelda 2, à Wario Land, à DuckTales et autres Castlevania. Yacht Club Games était bien placé pour développer un platformer moderne car ce studio était composé d'anciens membres de WayForward, un studio connu pour sa série phare Shantae et responsable quelques mois avant la sortie de Shovel Knight de l'excellent remake de DuckTales, intitulé de manière trompeuse DuckTales Remastered. Shovel Knight est sorti sur toutes les plateformes en vogue en 2014, à savoir le PC, PS4, Xbox, 3DS, Wii U, Amazon Fire TV, et a ensuite été réédité sur Switch. Toutes ces versions sont bonnes, et les différences entre elles sont de l'ordre du détail. Tout au plus, je vous conseille d'éviter la version Switch si votre console est sujette au Joy-Con Drift, qui se marie très mal au platforming de précision. Le jeu étant toujours pleinement accessible aujourd'hui, vendu pour un prix extrêmement raisonnable vu de sa quantité de contenu, et par des développeurs qui ont besoin de ce soutien financier, je ne vois pour une fois pas la moindre raison de tourner vers l'émulation. Je vous conseille également de vous diriger directement vers l'édition complète intitulée Shovel Knight Treasure Trove, qui contient le jeu de 2014 et toutes ses extensions, car même si celles-ci sont aussi vendues séparément, l'une d'entre elles ne l'est pas, lors de l'écriture de cette vidéo, pour des raisons qui deviendront assez claires quand on se penchera dessus, et ce serait dommage de passer deux fois à la caisse. En effet, Shovel Knight présente plusieurs extensions, publiées à intervalles réguliers entre 2014 et 2019. L'un des paliers additionnels de financement de la campagne Kickstarter, bien innocent, était l'ajout de trois personnages jouables alternatifs piochés parmi les 8 boss principaux, et déterminé par un vote de la communauté. Cet objectif ayant été largement atteint, à la sortie du jeu de base, Yacht Club Games s'est attelé à l'intégration de Plague Knight, qui a bénéficié de son propre mode histoire alternatif basé sur celui de Shovel Knight, avec quelques modifications mineures, qui en font un équivalent de ce qu'était le mode Richter de Symphony of the Night, à savoir la même aventure et les mêmes niveaux, parcourus par un personnage à la prise en main très différente, qui change complètement la manière de les aborder. Comme on le verra dans un moment, cette campagne bonus n'était pas pleinement satisfaisante du point de vue du game design, et les développeurs ont décidé de se montrer plus ambitieux pour le second ajout de personnages, en proposant non pas juste de jouer au même jeu avec un personnage et un gameplay différent, mais bien une préquelle avec sa propre histoire, ses niveaux radicalement différents, et ses boss réimaginés. Cette préquelle est sortie en standalone sous le nom Spectre of Torment, et dans le même mouvement, Shovel Knight a subi un rebranding, comme on dit dans les cabinets marketing de la Startup Nation, pour le présenter non plus comme un jeu avec plusieurs extensions, mais comme une collection de jeux dans l'univers de Shovel Knight, incluant la campagne de Shovel Knight rétrospectivement intitulée Shovel of Hope, celle de Plague Knight intitulée Plague of Shadows, celle de Spectre Knight intitulée Spectre of Torment, et finalement King of Cards, celle de King Knight, ainsi que Shovel Knight Showdown qui est un jeu de combat à la Smash Bros dans cet univers, collection intitulée donc Shovel Knight Treasure Trove. Rien qu'à l'énoncé, on voit bien que cette histoire éditoriale est aussi bordélique que mon tiroir à chaussettes, et que l'ambition du projet Shovel Knight a un peu échappé à ses créateurs, qui ont eu bien du mal à marketer correctement ces extensions qui avaient l'ambition et la créativité de suite, mais qui étaient présentées comme des mises à jour, et offertes d'office aux possesseurs du jeu, ce qui n'a pas aidé à s'assurer une solide couverture médiatique. La presse jeux vidéo s'étant principalement donnée comme rôle d'aiguiller les consommateurs, elle n'accorde pas beaucoup d'attention à ce qui est gratuit.
Le modèle économique adopté par Yacht Club Games pour Shovel Knight est admirablement généreux, mais il n'a pas dû mettre beaucoup de beurre dans leurs épinards. Comme tu dis, petit chat. Par conséquent, même si Shovel Knight a fait beaucoup de bruit, s'est bien vendu et a généré pas mal de discours critiques cherchant à expliciter son design, ce n'est pas du tout le cas de ses extensions. On trouve très peu de vidéos sur Spectre of Torment et King of Cards qui ne soient pas des reviews superficielles de 5 minutes. Et même les joueurs de Shovel Knight ont dans leur grande majorité ignoré ces extensions. Ce qu'on peut constater comme d'habitude avec les succès Steam de la collection. 85% de ses possesseurs environ l'ont lancé, 32% d'entre eux ont terminé la campagne de Shovel Knight, jusque là d'accord, c'est habituel, mais ensuite seulement 13% ont terminé Spectre of Torment, et seulement 5% ont terminé King of Cards. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce que certaines personnes achètent les nouvelles extensions sur d'autres supports, à commencer par la Switch. Mais quand même, ça fait d'autant plus mal au cœur qu'un énorme travail est passé dans ces extensions, considérées par beaucoup de ceux qui y ont joué comme souvent meilleures que le jeu de base, sur lesquelles Yacht Club Games a trimé pendant des années probablement à perte, tout ça pour que le public les snob pour de basses questions de marketing. Mais tandis que tout espoir intellectuel semblait perdu, au plus noir de la nuit, c'est là que surgit Esquive la boule de feu pour redresser ses torts et analyser aujourd'hui Shovel Knight dans son ensemble, extension comprise, pour identifier les principes de design employés pour en faire un successeur moderne réussi des plateformers 8 bits, comment ces principes de design ont évolué au cours des 50 publications des diverses extensions, et pour aller jusqu'au bout de l'expérience que cette collection cherche à créer. Vaste programme, mais par chance, je suis connu pour ma concision. Faire un jeu d'inspiration rétro, ça commence par des considérations esthétiques, nées des contraintes techniques des consoles de l'époque. Shovel Knight a été conçu de manière à ressembler à un titre qui pourrait être sorti sur NES, avec notamment du pixel art à basse résolution, une certaine sobriété des menus, et un HUD en haut de l'écran qui évoque en particulier celui de Castlevania. Mais je dis bien ressembler et pas émuler, parce que des libertés discrètes ont été prises avec certaines des limitations qui ont forgé l'esthétique de la NES, pour en faire un jeu tout bêtement plus agréable. La plus évidente étant celle qui concerne le format d'image. La NES produisait une image en 8 septièmes, généralement affichée en 4 tiers sur les écrans catholiques de l'époque, vous connaissez la chanson à force, mais Shovel Knight est sorti à un moment où les écrans en 16 neuvièmes étaient déjà un standard absolu, et les développeurs ont jugé préférable de ne pas se priver d'un tiers de l'espace disponible. Ce qui a également des conséquences sur le game design, puisqu'on a une meilleure portée de vision horizontale pour voir venir des difficultés de platforming ou prendre ses distances avec un boss que dans un jeu NES. Étant donné que les cartouches arrivées en fin de vie de la NES embarquaient leur propre technologie pour étendre les possibilités techniques de leur console, comme Super Mario Bros. 3 qui embarquait la technologie pour faire des scrollings diagonaux qui jusque-là n'étaient pas faisables sur NES, les développeurs ont envisagé Shovel Knight comme une projection de ce dont aurait pu être capable une cartouche de NES avec plusieurs années supplémentaires d'évolution technologique. Je vous propose donc pour commencer de faire le tour de ces limitations graphiques et auditives qui ont fait l'identité artistique de la NES, et de voir comment Shovel Knight fait mine de les reproduire. Les infos que je vais donner ici sont partiellement tirées de l'article Breaking the NES for Shovel Knight, de David D'Angelo, sur le blog de Yacht Club Games, pour lequel vous trouverez un lien dans la description, comme d'ailleurs c'est le cas pour les autres sources exploitées dans cette vidéo. L'identité graphique de la NES était principalement créée par l'alliance de sa résolution, 256x240, et de sa palette de couleurs composée de seulement 54 teintes différentes. Shovel Knight fait l'effort de conserver ses limitations. Enfin, presque. Du fait de l'extension de format d'image, sa résolution est de 400x240. Mais la taille des pixels virtuels est la même, il y en a juste plus horizontalement. Niveau couleur, Yacht Club Games s'est contenté de rajouter discrètement 4 teintes aux 54 de l'époque, jugées manquantes au vu des ambitions artistiques du projet. Un violet foncé et un rouge foncé utilisés comme transition entre le noir et des couleurs plus claires dans le niveau sous-marin et celui dans la lave. Un beige utilisé exclusivement pour le manteau et la peau de Polar Knight. Et un marron foncé qui manquait sur NES pour représenter les teintes de peau sombres de certains villageois au design conçu par la communauté. Une autre limitation importante était celle concernant la coloration des sprites, qui ne pouvait pas excéder 4 couleurs, y compris la couleur transparente, c'est-à-dire celle de l'arrière-plan, souvent inutilisable. C'est la raison pour laquelle les sprites de personnages NES sont si simplistes, et pour tout ce qui paraît plus sophistiqué, comme disons le boss de fin de Final Fantasy III, il s'agissait en fait d'un arrière-plan, plutôt que d'un sprite. Les plus attentifs vont peut-être me dire « Mais attends, le sprite de Megaman, si je compte bien, il a 5 couleurs !»
blanc, noir, beige, bleu clair, bleu foncé. Et c'est vrai, mais c'est parce qu'il est en fait constitué de la superposition de deux sprites, un pour le corps et un pour la figure, ne présentant chacun que trois couleurs. C'est le genre de bricolage qu'il fallait faire pour contourner les contraintes de la console. Dans Shovel Knight, les sprites des personnages, et en particulier des boss, ne se limitent pas à trois couleurs, mais plutôt 5 ou 6, comme s'ils étaient eux aussi composés, ce qu'ils ne sont pas. Ça donne quand même des sprites visuellement assez épurés, et qui, comme sur NES, font en sorte d'être lisibles par l'usage d'éléments visuels particulièrement repérables, comme le bout de la pelle de Shovel Knight qui pointe la direction à laquelle il fait face, et de poses extrêmement distinctes pour les différents états du personnage, en train de sauter avec le bras levé, en train d'attaquer avec la pelle vers le bas, etc. Parmi les contraintes plus mineures, la seule à avoir été conservée car jugée sans impact négatif sur le gameplay est le HUD inséré en tant qu'arrière-plan plutôt qu'en surimpression, ce qui permet au personnage de passer devant. Toutes les autres ont été ignorées, les tremblements de l'écran qui sur NES ne s'effectuaient que sur un axe à la fois, horizontal ou vertical, car la console n'était pas équipée pour gérer les tremblements diagonaux, se font joyeusement dans toutes les directions à la fois dans Shovel Knight. Le clignotement des sprites, qui survenait dès que plus de 8 d'entre eux devaient être affichés simultanément sur une même ligne horizontale, et est laissé au pas de la porte, puisqu'il dégrade la lisibilité de l'action. La parallaxe, c'est-à-dire la possibilité de faire défiler un ou des arrière-plans à des vitesses différentes de celles du premier plan pour créer une impression de profondeur, n'était pas gérée par la NES, sauf si, là aussi, les développeurs utilisaient des astuces pour simuler cet effet, comme ici dans Batman. Et la gestion de cette parallaxe est justement une des évolutions techniques les plus notables apportées par la Super NES. Shovel Knight ignore joyeusement cette contrainte et présente jusqu'à 5 couches d'arrière-plan défilant chacune à leur propre vitesse, et ce, dès son premier niveau. Précisons au passage, même si ça devrait tomber sous le sens, que toutes les limitations que se sont imposées les développeurs pour Shovel Knight n'en font pas un jeu moche, bien au contraire. En dehors même du charme de la nostalgie, il est tout à fait possible d'avoir une direction artistique impressionnante avec des gros pixels et des sprites simplistes. Et c'est le cas ici. Le jeu de base présente une grande variété visuelle entre ses 8 niveaux principaux, la plaine qui constitue son introduction, et la tour du destin qui conclut l'aventure. Tous très distincts et travaillés visuellement, avec leur propre palette de couleurs et arrière-plan. La variété visuelle de ces niveaux accompagne celle de leur concept, qui à leur tour vont permettre de brasser tout un éventail de mécaniques classiques des plateformeurs 2D. On a un niveau dans une cité perdue souterraine envahie par la lave, un dans un bateau échoué sur la banquise sous une aurore boréale de toute beauté, un dans un château débordant de dorure et de décadence, un de nuit dans un village infesté par des morts-vivants qui fleurent bon le Castlevania, un dans un laboratoire géant où ça explose en tous les sens, un dans une tour remplie de mécanismes, un dans et autour d'un navire volant en plein ciel devant le soleil couchant, un dans les profondeurs de l'océan et au sein d'un sous-marin, et pour finir l'ascension épique de la tour du destin sous la tempête et sur fond d'un ciel verdâtre de fin du monde. Rien n'est acheté, même si je trouve certains niveaux plus réussis esthétiquement que d'autres. Le navire échoué sur la banquise et la machine volante me caressent particulièrement les nerfs optiques, tandis que je trouve l'explodatorium et la tour mécanique un peu trop sobres, voire confus, quand les arrière-plans ressemblent à des éléments de gameplay. Le domaine dans lequel Shovel Knight reste le plus fidèle à la technologie de la NES, c'est en fait sa partie sonore. Si on nommait que les bruitages partageaient les canaux audio de la musique et devaient régulièrement se substituer à une partie de celle-ci, ce qui n'est pas le cas ici, l'audio de Shovel Knight a le timbre caractéristique des signaux à enveloppe triangulaire ou carrée générés par le processeur sonore d'une console 8 bits, et pourrait effectivement être joué par une NES. Enfin, pas n'importe laquelle, une Famicom japonaise soutenue par la fameuse puce VRC6 incluse par Konami dans certaines de ses cartouches sur la fin du cycle de vie de la console, qui ajoutait 3 canaux audio pour porter leur nombre à 8. La différence de complexité musicale qui en résulte est drastique, et on peut la constater en particulier entre les versions japonaises et occidentales de Castlevania 3. Bon, et ben c'est dans ces sonorités que Jake Kaufman, compositeur notamment de la série Shantae chez Ubisoft Forward, et responsable peu de temps avant Shovel Knight de la fantastique bande-son de DuckTales Remastered, a composé ses musiques, en visant à reproduire le style énergique et très mélodique des Megaman sur NES. Et c'est mission accomplie. Comme leur modèle, ces morceaux sont tous des classiques instantanés, à commencer par la musique qui nous accueille dans les plaines au lancement du jeu, dont les premières notes sont gravées dans les oreilles de tous ceux qui ont touché à Shovel Knight, au même titre que le thème du premier niveau de Super Mario Bros.
Tous ces morceaux accompagnent parfaitement l'ambiance propre de chaque niveau, et comme je dois bien en sélectionner une pour illustrer ça, on va partir sur le thème de la machine volante. La thématique du niveau est traduite par l'usage intensif de notes hautes, et surtout de mélodies qui montent progressivement en tonalité avant de reprendre plus bas. Et puis je dois glisser une mention de ma musique préférée, celui de la première partie de la Tour du Destin, qui s'inscrit dans la lignée des thèmes de Forteresse du Dr. Wily dans Megaman, avec sa mélodie incroyablement épique et motivante, prise un peu plus bas que ce à quoi le reste du jeu nous a habitués, pour appuyer l'ampleur narrative du moment. La cerise sur le gâteau de cette bande-son, c'est l'implication absolument inespérée de Manami Matsumae, la compositrice des deux premiers Megaman, qui en 2014 n'avait plus composé grand-chose pour le jeu vidéo depuis une quinzaine d'années. Sa contribution consiste en deux musiques de niveau, celle de l'Explodatorium et du sous-marin. La cohérence de son travail avec celui de Kaufman est remarquable, et même en essayant très fort, je ne suis pas arrivé à distinguer ces deux musiques du reste de la bande-son sans aller chercher l'information dans un coin reculé d'Internet. À sa sortie, l'extension Spectre of Torment a introduit sans tambour ni trompette une variation d'esthétique et de bande-son pour chacun de ses niveaux aux thématiques reprises de ceux de Shovel of Hope. Ainsi, on visite cette fois les égouts de l'Explodatorium, on explore les ruines de la cité perdue à la surface en plus de sous la terre, la tour en mécanique est encore en construction et présente des sections en extérieur, et les plaines en début de jeu sont traversées au crépuscule plutôt qu'en plein jour. De même, les musiques qui accompagnent les niveaux de Spectre Knight sont plus sombres, pour coller à ce qui est davantage une quête de vengeance tragique qu'une aventure épique. Et c'est perceptible dès la cinématique d'introduction, qui pour Shovel Knight était accompagnée d'un thème fanfaron et optimiste, tandis qu'ici, il est sérieux et menaçant. Et ça se poursuit immédiatement avec le thème des plaines, qui s'ouvre sur la même mélodie que Strike the Earth, mais sur une tonalité plus basse et un style plus baroque, qui évoque un peu plus Castlevania que Megaman. L'extension King of Cards viendra ensuite avec son lot de nouveaux morceaux pour instaurer l'ambiance vaine et décadente de cette campagne, à commencer par sa propre variation de l'intro. Elle reprendra les deux variations d'esthétique et de musique de Shovel of Hope et Spectre of Torment pour chacun des niveaux principaux, sans en introduire de nouvelles, ce que personnellement je trouve un peu décevant. En revanche, King of Cards introduit deux nouveaux types d'environnements basés sur des ressources graphiques déjà présentes, mais sous-utilisées jusque-là. L'étang Carpom et la falaise des Pieds à Feu, avec leurs propres mécaniques et leurs propres bestiaires, ce qui rattrape un peu le coup. Dans l'ensemble, la présentation esthétique de Shovel Knight était déjà stellaire dans le jeu de base, malgré, mais dans un sens aussi grâce à, son adhérence à tous ces codes de la NES extrêmement contraignants, et les extensions sont venues complémenter, étendre à différents tons, cette excellence.
l'inspiration rétro se poursuit dans les ambitions narratives et scénaristiques de Shovel Knight, qui sont volontairement modestes. Aucun platformer des années 80 ne cherchait à concurrencer Les Misérables, avec des scénarios prétextes à catapulter les personnages dans des tartines de péripéties à partir de la 10ème seconde, et jusqu'à la toute fin du jeu. Shovel Knight commence sur un ton similaire, avec un personnage au passé sommaire, et iconisé plutôt par son apparence et son arme signature, la pelle, qui se lance dans une aventure pour débarrasser ses terres du mal qui les a envahis, et réclamer justice pour la perte de sa partenaire et bien-aimée Shield Knight. Et va pour cela... J'ai fait l'effort de ne faire aucune blague de pelle dans ce script, parce que toutes les reviews du jeu se roulent déjà dedans. Non, on roule des pelles. Ouais, se roule des pelles dedans. Mais il faut, c'est ça qui est drôle. Peut-être dans les titres de partie, je sais pas, mais ça me semble trop facile. Ça va être beau. Et va pour cela traverser 8 niveaux, occupés par les chevaliers de l'ordre des 100 quartiers, rassemblés par la maléfique Enchantresse. Plague Knight, dans sa propre campagne, veut collecter une partie des essences vitales de ces mêmes chevaliers pour concocter une potion de toute puissance, et suit donc une quête parallèle à celle de Shovel Knight. Spectre of Torment est une préquelle dans laquelle Spectre Knight agit comme émissaire de l'Enchantresse, et a pour tâche de recruter les futurs membres de l'ordre des 100 quartiers, en les tabassant, parce que c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je recrute les modérateurs sur mon Discord. Avec la promesse de retrouver son humanité une fois cette mission accomplie, et le tout entrecoupé de flashbacks qui nous expliquent comment le personnage en est arrivé là. Et enfin, King of Cards est également une préquelle, qui se déroule tandis que la paix règne encore, et que la passion d'un certain jeu de cartes, le Justus, s'abat sur le pays comme celle du JCC Pokémon dans les écoles primaires en 2000 ans. King Knight se met en tête de remporter le grand tournoi de Justus pour recevoir le titre de roi dont il rêve, et va dans ce but parcourir le pays pour vaincre les trois juges de la compétition tout en rassemblant au passage toute une cohorte de followers. Je reste volontairement vague sur les développements qui suivent ces situations initiales car cette analyse, pour une fois, va être sans spoil scénaristique, vu qu'on peut s'en passer. Même s'il ne faut pas attendre de Shovel Knight qu'il vous mette une bonne grosse claque narrative comme un Celeste ou un Undertale, il vous réserve quand même des surprises dans ce domaine, des arcs de personnages qui se révèlent étonnamment plus profonds que ce à quoi leurs stéréotypes semblaient les destiner, et une émotion sincère qui découle d'un certain sens du grandiose et du tragique, ainsi que d'un attachement véritable qui se crée envers les personnages. J'ai personnellement trouvé le final de chaque extension particulièrement touchant, et l'effort est d'autant plus appréciable que c'est un point sur lequel Shovel Knight aurait pu se contenter de moins que ça. Pour ce qui est du ton du jeu, en revanche, c'est une autre histoire parce que celui-ci contribue de manière quasi constante à façonner l'expérience et à bénéficier d'un soin tout particulier. Pour Shovel of Hope, il se situe quelque part entre l'aventure légère, l'autodérision, et un sérieux épique quand on approche de la fin, trois aspects que je vais développer. L'aventure est suggérée par l'alliance de visuels colorés et dépaysants, qui inclut fréquemment la tour de l'Enchantresse dans leurs arrière-plans, pour nous rappeler l'objectif de notre quête, comme le fait la montagne de Journey. D'une galerie de personnages hauts en couleurs et attachants qui sont d'ailleurs parfois des animaux anthropomorphisés, de références fréquentes aux idéaux de la chevalerie, et de la musique optimiste qui nous pousse en avant. L'autodérision provient du fait que Shovel Knight se montre très conscient de ses influences et des attentes de son public, et nous régale de blagues méta, de situations abracadabrantesques que les personnages prennent complètement au sérieux, de détournements de ses propres codes, et de running gags très efficaces comme la réaction de King Knight au flirt entre sa mère et le roi de Fierland. L'aspect épique des dernières heures, enfin, est créé par l'abandon presque total de cette autodérision à partir du moment où on pose le pied dans la tour du destin, par la gravité qu'adoptent alors la musique et l'ambiance visuelle, et par l'ampleur des enjeux scénaristiques qui poussent en avant notre protagoniste à ce stade de l'histoire. Les extensions proposent des variations sur ce ton, et si je pense que l'autodérision et les fins de jeu épiques restent, c'est l'aventure qui se retrouve troquée contre d'autres registres. Plague of Shadows a tout de la comédie romantique, avec ses deux personnages principaux qui s'aiment sans se le dire, ses quiproquos comiques, et son protagoniste dont le gameplay fait beaucoup d'efforts pour nous communiquer qu'il est un complet inadapté social. Il peut attaquer ses propres alliés, il tourne boule et fait tout péter à travers l'écran, il a une commande dédiée pour s'entraîner à valser tout seul, et il n'arrive pas à communiquer correctement avec la plupart des PNJ. Spectre of Torment est une tragédie, dont on sait par avance qu'elle va finir mal pour Spectre Knight puisque c'est une préquelle, et ça se traduit déjà par la musique, comme on l'a vu plus haut, mais aussi par ses ouvertures mélancoliques de chaque intermission durant lesquelles Spectre Knight contemple son œuvre du haut de sa tour, et par le remplacement de la progression à base de cartes du monde, qui contribuait au sentiment d'aventure de Shovel of Hope, par une checklist froide des boss que vous devez tenter de recruter, accessible à partir d'un hub qui est le seul espace auquel vous avez accès en dehors des niveaux eux-mêmes, puisque vous en êtes en fait prisonnier. Et puis dans King of Cards, l'aventure est toujours là, et la carte du monde fait d'ailleurs son retour, mais présentée moins comme une épopée héroïque que comme le délire égocentrique d'un personnage qui se rêve plus grand qu'il ne l'est, et qui a tout pour se présenter à la primaire des Républicains. King Knight triche à chaque fois qu'il doit vaincre un juge du Justus pour passer à une étape dans la progression de sa quête, et se contente de le tabasser jusqu'à ce qu'il déclare forfait.
D'ailleurs, il y a tout un système de triche payant pour contourner les parties de cartes les plus difficiles. Il peut chouiner sur place pour récupérer de la vie, il se montre parfaitement odieux envers tous ses interlocuteurs, et quand les juges du Justus vaincu essayent d'apporter un peu de sérieux à ce scénario en faisant de l'exposition, King Knight ne les écoute pas. Donc là aussi, les quatre campagnes visent des ambiances et des tons légèrement distincts, mais toutes vont vous faire sourire et vous faire entrer différemment dans leur univers commun, qui a la chance d'être développé à l'échelle de 4 aventures, ce qui lui confère une profondeur étonnante. Le principal avantage de ce worldbuilding en 4 fois, c'est que certains personnages récurrents qui semblent parfaitement anecdotiques dans une campagne vont soudainement bénéficier d'un rôle de premier plan dans une autre, et ça donne l'impression d'avoir accès à plusieurs fenêtres sur un monde vivant et complexe. Le roi de Fierland est un PNJ parmi d'autres dans le village de départ de Shovel of Hope, qui se contente de nous dire que King Knight lui a volé son château. Mais c'est ensuite un des juges du Justus et donc un des boss principaux de King of Cards qui nous rejoint en tant que vendeur d'amélioration d'armure une fois vaincu. Mona n'est qu'une PNJ servant à lancer un mini-jeu assez oubliable dans Shovel of Hope, mais elle se voit propulsée partenaire et complice de Plague Knight dans Plague of Shadows, ainsi que moteur malgré elle du scénario, puis occupe un rôle de boss au Justus dans King of Cards. Raz, enfin, n'est qu'un boss errant dans Shovel of Hope, qu'on ne croise qu'une fois et qu'on oublie très vite parce qu'il n'a pas des patterns particulièrement marquants, mais dans Spectre of Torment, il se retrouve de manière très imprévue au centre de l'intrigue et de la tragédie que cette extension raconte. C'est l'occasion enfin de parler du chara-design. En plus de Shovel Knight lui-même, les 8 boss principaux ont été particulièrement mis en avant dans la communication du jeu et sur ses illustrations officielles. D'après les commentaires des développeurs qu'on peut trouver dans l'artbook officiel, deux principes ont présidé à la conception de ces personnages. Déjà, ils ont été créés après les niveaux eux-mêmes, pour complémenter leur thématique. Puisqu'on a un niveau au fond de l'océan avec une partie dans un sous-marin, et ben le boss sera un scaphandrier chercheur de trésors qui se bat avec un lance-harpon tirant des ancres plutôt que des harpons. On a un niveau dans un village de morts-vivants dont une mécanique récurrente est l'obscurité percée par des flashs de lumière, et ben le boss sera basé sur l'allégorie classique de la mort avec sa cape et sa faux, qui plonge l'arène dans les ténèbres sur ses derniers points de vie. Le deuxième principe, ça a été de les designer en priorité en fonction de ce qu'ils étaient censés accomplir du point de vue du gameplay. Propeller Knight est censé être un boss volant, alors il a une hélice sur la tête et est tout maigre. Mole Knight doit creuser dans les murs, alors il a d'énormes griffes et est basé sur une taupe. Polar Knight doit nous balancer d'énormes tas de neige et briser le sol gelé par sa masse, alors il est 3 fois plus grand que nous et manie une lame de tractopelle. Pour pouvoir rendre honneur aux détails de ce chara-design malgré la basse résolution, les artistes n'ont pas hésité à employer de grands sprites pour représenter les boss. Il y a un monde de différence entre un Spectre Knight qui occupe une 60aine de pixels de hauteur, et un boss de Megaman comme Metalman qui en occupe une grosse 20aine. Un point qu'il faut mentionner pour terminer, parce qu'il illustre bien la démarche de Yacht Club Games par rapport à l'époque qui les a inspirés, c'est l'existence du mode échange de corps, introduit lors d'une mise à jour, que vous pouvez activer en lançant Shovel of Hope, et qui vous permet de changer le genre de chacun des personnages importants, y compris les boss, ce qui se traduit en jeu par des nouveaux sprites qui ont bénéficié du même travail que les originaux. C'est à la fois complètement anecdotique, parce que la différence est rarement flagrante, d'ailleurs vous n'avez probablement pas remarqué depuis le début de cette vidéo que ces captures sont faites principalement avec la version féminine de Shovel Knight, qui ne se distingue de la version masculine que par la taille des cornes et une légère modification de la forme du corps, et en même temps absolument géniale, parce que sans qu'elle ait coûté grand chose, la simple existence de cette option questionne les rapports de genre dans le type d'histoire stéréotypée que Shovel Knight raconte. Est-ce que ça paraît normal d'avoir un ordre de chevalerie entièrement constitué de femmes? Est-ce que l'enchanteresse paraît plus ou moins maléfique si c'est un enchanteur? Est-ce que ça change grand-chose si le couple Shovel Knight et Shield Knight sont tous les deux des hommes? Est-ce que pour une fois ça vaudrait pas le coup d'incarner une nana qui va délivrer son mec plutôt que l'inverse? J'ai mes réponses à ces questions et vous avez sans doute les vôtres, et quand bien même ça ne vous intéresserait pas du tout comme problématique, il ne faut qu'une seconde pour sélectionner les gens par défaut et passer à autre chose. Mais en tout cas, ce mode échange de corps les pose, et c'est tout à son honneur. Après, il a quand même deux grosses limites. La première, c'est que même si des adaptations de pronoms sont proposées en version anglaise, ce n'est pas le cas en version française, qui, j'en profite pour le préciser, est excellente en dehors de ça. Et ça fait toujours un peu bizarre de voir des personnages être mégenrés. Et la deuxième, c'est que cette option n'existe pas dans les 3 autres campagnes, dans lesquelles vous devrez vous contenter des versions par défaut pour tout le monde. Ce qui désamorce un peu l'effet recherché. Bien, donc pour résumer, Yacht Club Games vise un rendu artistique qui évoque le meilleur de l'esthétique, de l'ambiance et de la narration des plateformers sur NES, mais sans tourner le dos à 25 ans de recul critique sur ce genre, et ne se prive pas d'altérer, d'améliorer ou de détourner les codes qu'ils reprennent, pour parvenir à un résultat qui se présente comme le distillat, mûrement réfléchi, de toute une époque. Et ce constat, on va complètement le retrouver dans le fonctionnement du gameplay de Shovel Knight. Commençons par remarquer que pour les 4 personnages jouables,
la base du système de mouvement est celle de Megaman. Cela se voit à l'absence d'accélération horizontale. Il y a une accélération verticale, évidemment. Quand le personnage saute ou tombe, ça ne se fait pas à vitesse constante pour que la physique aérienne soit un minimum crédible. Par contre, horizontalement, le personnage atteint immédiatement sa vitesse maximale dès que vous appuyez sur la direction, que vous soyez au sol ou en l'air, et s'arrête tout aussi immédiatement à l'instant où vous cessez de maintenir cette direction. Cette absence d'accélération horizontale est ce qui permet le platforming de précision, dans Megaman comme dans Shovel Knight, sur des plateformes qui ne sont très souvent pas plus larges qu'un bloc, et qu'on n'a pourtant aucun mal à viser avec le contrôle très fin que cela nous donne sur notre trajectoire aérienne. Et c'est aussi ce qui fait le feeling de son gameplay par rapport à celui par exemple d'un Mario ou d'un Sonic, qui doivent composer avec une inertie très forte, même sur l'axe horizontal. Là-dessus, les quatre personnages viennent rajouter leur propre mécanique, leur propre mobilité, que l'on va détailler. Shovel Knight a le saut le plus élevé du jeu et son attaque signature qui consiste à retomber pelle vers le bas pour rebondir sur la plupart des ennemis et un certain nombre de dangers environnementaux, que l'on appellera désormais le rebond pour ne pas employer à chaque fois des périphrases. Les développeurs confirment à chaque fois qu'ils en ont l'occasion que ce mouvement est directement inspiré de l'attaque plongeante que Link peut acquérir à la fin de Zelda 2 et qui est une formidable option offensive. Et ce parallèle les a d'ailleurs menés à créer une famille d'ennemis, celle des Gold Armors et de leurs dérivés, qui évoque les combats contre des chevaliers de Zelda 2, où le joueur devait alterner entre les attaques hautes et les attaques basses, sauf qu'ici il s'agit d'alterner les attaques frontales et celles sautées. Cependant, si vous avez une bonne culture des plateformes 8-bit, ce mouvement va plutôt vous rappeler la mécanique centrale de DuckTales, dans lequel Picsou pouvait rebondir sur sa canne pour à la fois attaquer, sauter plus haut et passer sans danger sur des pics. Ce qui fait l'intérêt de cette mécanique, dans Shovel Knight comme dans DuckTales, c'est qu'elle est utilisée à la fois en tant qu'outil de combat et de platforming, et constamment mise à contribution par le level design qui nous demande de traverser des salles en rebondissant sur plein de trucs. Et ça, ça n'a rien d'évident. Beaucoup de jeux de plateforme séparent assez nettement les mouvements servant au platforming, c'est-à-dire le saut et ses éventuels ajouts, comme un double saut, ou un rebond contre les murs, ou l'hélicoptère avec les cheveux, et les mouvements servant au combat, comme le fouet de Simon Belmont, les tirs de Megaman, les coups de poing de Rayman, les cheveux magiques de Shantae. À l'époque de la NES, il n'y a bien que Mario qui fête sa principale mécanique de platforming, le saut, sa principale mécanique de combat également. Et c'est une idée dont Yacht Club Games a bien perçu l'intérêt parce qu'elle permet d'axer tout le level design et toutes les mécaniques internes à chaque niveau autour de leur interaction avec cette unique option de mouvement central. C'est donc une qualité qu'ils ont cherché à conserver en designant le gameplay des trois autres personnages. Spectre Knight est caractérisé par deux mécaniques qui viennent compenser sa hauteur de saut plus basse. D'abord, la possibilité de courir verticalement sur les murs avant de finir sur un saut mural. Un mélange entre la capacité de Grant de se déplacer au mur et au plafond dans Castlevania 3 et du saut mural de Ninja Gaiden. Et ensuite, le dash slash que vous pouvez lancer en l'air à proximité d'un ennemi ou d'un des nombreux éléments de gameplay qui interagissent avec cette mécanique, pour propulser Spectre Knight dans une attaque qui suit une trajectoire diagonale montante ou descendante selon votre positionnement initial. Mécanique qui serait elle aussi inspirée d'un mouvement de Ninja Gaiden, en l'occurrence la technique Flying Swallow de Ninja Gaiden Black. Ça paraît compliqué d'écrit comme ça, mais c'est en réalité très intuitif à l'usage, et très vite vous enchaînerez les dashs pour négocier la myriade de situations qui y font appel dans le level design. La combinaison de ces deux mécaniques crée un gameplay exceptionnellement fluide pour Spectre Knight, qui, je pense, s'explique par l'économie de mouvements inutiles. Là où les rebonds sur la pelle de Shovel Knight généraient des allers-retours verticaux souvent superflus quand l'objectif était de se diriger vers la droite, les mouvements de Spectre Knight sont toujours orientables dans la direction dans laquelle on a besoin d'aller, et contribuent entièrement à la progression. Le défaut du gameplay de Spectre Knight, c'est tout de même qu'il a besoin d'éléments de level design pour accomplir quoi que ce soit, et que dans une pièce vide, les possibilités d'expression offertes aux joueurs se limitent à sautiller sur place comme un collégien 2 minutes avant la sonnerie de fin de cours. Par chance, le level design est un gros point fort du jeu, donc ce défaut est rarement saillant. King Knight est lui aussi caractérisé par deux mécaniques centrales, une charge en avant qui fait office d'attaque standard et qui le lance dans un tourbillon si elle touche quelque chose, tourbillon qui offre ensuite les mêmes possibilités de rebond que l'appel de Shovel Knight, et depuis lequel il est possible de relancer une charge aérienne après avoir rebondi sur quelque chose. La charge est inspirée de la mécanique principale des Wario Land sur Game Boy, et le tourbillon évoque lourdement un mouvement similaire dans Mario World. Cet ensemble de mouvements est également très contextuel, et un gimmick récurrent du level design de King of Cards est de demander au joueur de trouver un ennemi, un mur libre ou un projectile sur lequel charger pour déclencher le tourbillon, et soit accéder aux possibilités de platforming qu'il ouvre, soit simplement gagner de la hauteur. Les interactions possibles entre nos options de gameplay et le level design sont moins immédiatement apparentes que dans les autres campagnes, et la principale qualité de King of Cards est donc de nous faire intellectualiser nos déplacements en abordant chaque challenge de plateforme comme une énigme à résoudre avec les options à notre disposition. Le défaut évident qui en découle, c'est que ces niveaux semblent plus artificiels et gamey que ceux des autres personnages, et un défaut plus mineur, mais souvent embêtant, c'est que le jeu ne communique pas efficacement à quel moment la charge est de nouveau accessible après avoir rebondi sur quelque chose.
Ça veut dire que deux états du personnage, qui sont différents parce qu'ils n'ouvrent pas l'accès au même mouvement, sont représentés visuellement exactement de la même manière. Et ça, dans un platformer où les décisions se prennent en une fraction de seconde, et où toute erreur peut mener à une chute mortelle, eh ben c'est pas ouf. Il aurait fallu un petit indicateur visuel sur King Knight, qui nous indiquerait quand la charge n'est temporairement plus disponible, de la même manière que les cheveux de Madeline dans Céleste deviennent bleus quand son dash n'est temporairement plus utilisable. King Knight dépend également lui aussi beaucoup du level design pour la richesse de son gameplay, et dans une pièce vide, il ne peut pas faire grand chose. Si je prends la peine d'en faire la remarque quand c'est le cas, c'est parce que c'est l'extrême inverse pour le dernier des 4 personnages, Plague Knight, dont les options de mouvement ne sont pas faites pour interagir avec des éléments de level design, et au contraire lui donnent une grande liberté d'action, même au sein d'une pièce vide. Plague Knight a un double saut, peut balancer jusqu'à 5 bombes depuis les airs qui s'accompagnent chacune d'un petit boost vertical, et surtout il peut charger une explosion qui, une fois relâchée, le propulse en avant dans les airs en plus de servir d'attaque. Tout cela permet de maintenir Plague Knight très longtemps dans les airs, de traverser les écrans à toute berzingue à grands coups d'explosion, de trivialiser beaucoup des challenges de plateforme designés pour la mobilité de Shovel Knight dans les niveaux que vous traversez, et de mettre la misère à certains boss dont la vie part tellement vite qu'ils ont l'impression d'avoir figuré dans un tool assisted speedrun. Cela fait de Plague Knight le personnage qui récompense le mieux la maîtrise mécanique de son gameplay par une fluidité, une vitesse et une puissance inégalées. Et il n'y a qu'à se pencher sur un speedrun de Plague of Shadows pour s'en rendre compte. Mais c'est aussi un personnage qu'il est difficile de prendre en main et de maintenir en vie. Il a moins de vie que Shovel Knight, prendre des dégâts le repousse plus loin et le jette facilement dans le vide, la hitbox très particulière de ses attaques rend certains ennemis pourtant basiques compliqués à négocier, l'explosion a une inertie très importante qui prend le contre-pied de cette absence d'accélération horizontale dont on parlait plus haut, et qui la rend délicate à employer sans risquer de se catapulter dans le vide ou sur des sources de dégâts, il faut la charger en gardant le bouton B enfoncé pendant presque une seconde avant de pouvoir s'en servir, et il est souvent nécessaire de l'employer pour franchir des obstacles même sommaires, car le double saut seul ne va pas bien haut. Par conséquent, Plague Knight est un personnage au gameplay facilement rebutant, voire désagréable, jusqu'à ce qu'on ait appris à le maîtriser, ce qui, je dois bien le dire, n'est toujours pas mon cas, même après avoir terminé son aventure. C'était cependant l'objectif de Yacht Club Games, qui ont affirmé vouloir recréer le feeling de personnages comme Simon Belmont dans Castlevania, au gameplay contraignant, et l'expérience de jeu des années 80 où toutes les mécaniques, même celles qui paraissent les plus évidentes aujourd'hui, étaient à découvrir, et où les manuels donnaient des indications aussi fondamentales que comment placer son pouce pour pouvoir appuyer à la fois sur le bouton de saut et celui d'attaque. Et, pour être honnête, certaines des modifications des capacités de Plague Knight qu'on peut acheter simplifient beaucoup sa prise en main, à commencer par une explosion qui finit sur un vol plané, dont il est beaucoup plus simple de contrôler la trajectoire, et la possibilité de placer à tout moment une plateforme qui nous évite de finir dans le vide. Pour tous les personnages, l'ensemble des possibilités offertes par leurs options de gameplay sont très efficacement communiquées par le niveau d'introduction, les plaines, qui sert à chaque fois de tutoriel organique. Dans la droite lignée du 1-1 de Super Mario Bros, du premier niveau de Castlevania ou de Green Hill Zone, les plaines enseignent au joueur tout ce qu'il a besoin de savoir et de savoir faire pour le reste du jeu, sans jamais avoir besoin de recourir à du texte. Le premier écran de Shovel of Hope vous enseigne les fonctions du coup de pelle basique, en vous mettant face à un tas de terre que vous pouvez creuser, puis un ennemi que vous pouvez attaquer, et enfin des blocs que vous devez détruire à coup de pelle pour passer à l'écran suivant. Celui-ci vous enseigne le rebond sur la pelle, en vous mettant immédiatement face à des blocs dont le positionnement fait que vous ne pouvez les détruire que de cette manière. Et quand bien même vous n'auriez pas remarqué que le rebond sur la pelle existe, et vous finiriez par simplement appuyer sur tous les boutons par frustration, vous allez vite vous retrouver à presser bas en l'air, et activer la bonne commande. Le placement du deuxième bloc sous le premier est tout aussi astucieux car il vous permet de remarquer que l'attaque se poursuit après le premier rebond. L'écran suivant vous enseigne à rebondir sur des éléments de gameplay pour passer des challenges de plateforme, en vous demandant d'atteindre une corniche trop haute pour votre simple saut, en rebondissant sur une bulle. Et celui d'après vous montre l'intérêt en combat de cette même mécanique, en vous mettant face à un dragon qui crache des bulles devant lui mais qui ne peut rien vous faire si vous lui rebondissez dessus. Et ainsi de suite, de sorte qu'une fois ce niveau fini, vous sachiez précisément de quoi votre personnage est capable, comment interagir avec les éléments de gameplay basiques que sont les blocs, les tas de terre, les bulles, les plateformes, les ennemis, les checkpoints, et vous êtes prêt à étendre ce gameplay avec de nouvelles mécaniques internes à chaque niveau, des armes secondaires et des améliorations d'équipement. Les autres campagnes font exactement la même chose avec les options de mouvement de leurs personnages respectifs, même Plague of Shadows, qui reprend pourtant en dehors de ça de très près le level design de Shovel of Hope, mais qui ici se permet d'ajouter ou de retirer certains obstacles pour mettre en avant les possibilités de gameplay propres à Plague Knight. Un tel niveau d'introduction est exactement ce qui manquait au Megaman sur NES, qui nous larguait immédiatement sur un écran de choix de niveau, qui ne pouvait pas tous partir du principe qu'on était en train de découvrir les commandes, et qui constituait donc souvent une entrée en matière très raide pour le nouveau joueur. D'ailleurs, Megaman X ne s'y est pas trompé au moment de faire évoluer la formule de sa série, et s'est dépêché d'y ajouter un passage obligatoire par un niveau d'introduction, avant de nous offrir une quelconque sélection, qui introduit tranquillement les mécaniques de saut et de tir,
et qui présente notamment aux joueurs le fonctionnement du saut mural, qui n'était pas dans les épisodes précédents. Une grande variété dans le gameplay de chaque personnage est apportée par le système d'armes secondaires. Le jeu qualifie de relique pour Shovel Knight, de Curios pour Spectre Knight, d'héritage pour King Knight et d'arcane pour Plague Knight. Mais si vous permettez, je vais me contenter de les qualifier uniformément de reliques. Ce système est à la croisée des armes secondaires qu'on trouve dans les chandeliers dans Castlevania, et de celles qu'on obtient en battant les boss dans Mega Man. De celles de Castlevania car ces reliques s'utilisent de la même manière en appuyant sur O en plus du bouton d'attaque, et consomment elles aussi une ressource limitée qui se régénère en ramassant des recharges, sauf pour Plague Knight, où elles remontent toutes seules. Et de celles de Mega Man, car elles sont acquises de manière permanente plutôt que de se remplacer les unes les autres, et on peut en changer à tout moment, moyennant un passage dans le menu. D'ailleurs, s'il y a bien un défaut à reconnaître à ce système, c'est qu'il nécessite un peu trop de menuing à chaque fois qu'on veut changer de relique, qui décourage d'utiliser pleinement leur potentiel et interrompt le gameplay. Chaque personnage dispose d'une 10-12 de ces reliques à débloquer au fil des niveaux, et vous imaginez bien qu'on ne va pas toutes les détailler. On peut cependant distinguer trois grandes catégories, les armes, les outils de platforming et les utilitaires, avec bien sûr des recouvrements entre ces catégories. Les armes offrent au personnage un moyen d'attaquer dont la hitbox est très différente de celle de ses mouvements de base, et qui peuvent revêtir un intérêt situationnel certain. Cette catégorie inclut par exemple la baguette de feu de Shovel Knight qui tire un unique projectile en ligne droite, la faux araignée de Spectre Knight lancée en diagonale vers le bas et qui suit ensuite la forme du mur, la grosse bombe de Plague Knight dont la hitbox a une taille impressionnante, ou encore les trompettes de King Knight qui couvrent l'écran de confetti. Les utilitaires servent à récupérer de la vie ou modifier une propriété du personnage. Le collier de phase qui rend Shovel Knight temporairement invincible, la potion de fuite qui augmente grandement la vitesse de course de Plague Knight au prix de sa maniabilité, la cape de King Knight qui absorbe et renvoie temporairement les dégâts, ou encore la pièce de Chronos qui ralentit temporairement le temps autour de Spectre Knight. Et puis les outils de platforming peuvent être utilisés pour contourner certains challenges ou échapper à une mort certaine. La bulle de King Knight l'immobilise en l'air et vous rend votre dash, la plume de Spectre Knight lui permet de s'élever pendant quelques instants, la dague de propulsion catapulte Shovel Knight en avant sur quelques gaz, le bécher de Plague Knight lui crée une plateforme temporaire, et tout ceci peut être enchaîné plusieurs fois de suite sans toucher le sol, tant que la ressource qui gouverne l'usage des reliques n'est pas épuisée. On se rend bien compte juste en les considérant que le gameplay émergent que permettent ces équipements est gigantesque, et qu'ils vont être le principal vecteur de l'expression du style de jeu propre de chaque joueur. Il faut quand même remarquer que leur équilibrage est souvent douteux. Si l'utilité des armes est généralement correctement calibrée en fonction de leur cours magie, certains utilitaires et outils platforming sont excessivement utiles, et brisent en mille morceaux le challenge de section entière pour un coup anecdotique. Le collier de phase et son invincibilité, la potion de sangsue de Plague Knight qui lui rend la vie quand il inflige des dégâts, la bulle de King Knight qui trivialise la plupart des passages de plateforme, et jusqu'au boss de fin puisqu'il fait du vide son principal danger. De tels objets méritent d'exister, mais le coût ou les modalités de leur utilisation auraient dû être plus strictes, pour empêcher qu'on puisse en abuser. Penchons-nous un moment sur le collier de phase pour développer ces questions d'équilibrage. C'est possiblement l'objet le plus déséquilibré toute campagne confondue, car il ne coûte que 8 points de mana, et en fin de jeu vous en avez pas moins de 100, soit 12 utilisations maximum d'un objet qui vous offre sans prendre le moindre risque 2 grosses secondes d'invincibilité, que vous pouvez relancer à tout moment avant que son effet prenne fin, qui vous permet de marcher sur les pics mortels et de mettre la misère de leur vie à la plupart des boss. Avec plus de 20 secondes d'invincibilité cumulée, plus besoin de s'intéresser à leur pattern, ou de fournir le moindre effort cognitif, puisque vous n'avez plus qu'à coller le boss et matraquer le bouton d'attaque tout en réappliquant périodiquement l'invincibilité. Puisqu'il est aussi universellement utile et accessible très tôt dans le jeu, le collier de phase est très susceptible de monopoliser l'emplacement d'objets actifs et vos points de magie, donc la diversité du gameplay en souffre. Pour l'équilibrer mieux, plusieurs solutions existent, qui ne sont pas mutuellement exclusives. Augmenter son coût à 12, 15, voire 20 points de magie, empêcher de relancer l'effet tant que le précédent n'est pas terminé, annuler l'effet si vous attaquez pendant qu'il est actif, ce qui réglerait instantanément le problème de son abus contre les boss et en ferait seulement un moyen de négocier les dangers environnementaux, ou encore rallonger le temps qu'il prend à se lancer et ou vous rendre vulnérable pendant cette période-là. Plus complexe, on peut regarder du côté de l'équivalent de cette mécanique chez Plague Knight, qui dispose d'un fumigène servant lui aussi à le rendre temporairement invincible, mais il est beaucoup plus limité. Déjà, on ne peut l'utiliser que 2 fois avant d'être à court de magie et de devoir attendre qu'elle se recharge. Et ensuite, il faut se rendre et rester dans le nuage de fumée créé pour profiter de son effet. Il y avait un paquet de solutions qui auraient éventuellement pu être implémentées dans un patch après la sortie du jeu une fois que Yolk Games a eu vent des très nombreux retours perplexes sur cet objet. Et je pense que si ça n'a pas été fait, c'est parce que les développeurs ont choisi de considérer le collier de phase comme un facteur d'accessibilité, qui fonctionne comme une béquille pour les joueurs les moins à l'aise avec le volet action du jeu, et que ceux qui n'en ont pas besoin peuvent choisir d'ignorer.
Et un raisonnement similaire a probablement été appliqué au crâne de Spectre of Tormund qui nous rendent la vie à chaque utilisation pour un coût négligeable et qui a le même impact sur les combats de boss. Personnellement, je dois bien dire que je n'approuve pas de plaquer une telle fonction sur des objets mis sur un pied d'égalité avec les 10 autres, et en compétition avec eux pour votre unique emplacement actif, qui sont présentés comme des options stratégiques à exploiter sans réserve selon les circonstances. S'il faut proposer un mode facile dans lequel on aurait plus de vie et où on réapparaîtrait au même endroit en tombant dans le vide, proposez un mode facile. Mais ça ne devrait pas être aux joueurs de s'imposer des restrictions maison pour réparer l'équilibre. En plus de l'acquisition des objets, il y a quelques autres systèmes d'amélioration du personnage qui vont participer à la personnalisation de votre expérience. Vous pouvez acheter, ou trouver dans les niveaux en explorant dans Spectre of Torment, des rallonges de vie et de magie maximum. Vous pouvez ajouter des effets permanents au personnage comme la possibilité de charger un coup de pelle, ou celle de produire des étincelles quand Ignite touche le sol après un tour middle. Et vous pouvez acheter des tenues au schéma de couleur alternatif, qui viennent avec un effet plus ou moins utile, qui vont de permettre de charger le coup d'épaule de King Knight pour le relâcher dans n'importe quelle direction, à augmenter la limite de magie en échange d'une résistance réduite aux dégâts, en passant par des armures coûteuses et clinquantes qui modifient seulement vos animations de course et de saut. Je me suis retenu d'utiliser ces armures alternatives pour conserver le codage visuel de chaque personnage tout au long de la vidéo, et j'espère que vous appréciez ce sacrifice, parce que j'aurais bien aimé faire des pirouettes avec mon armure dorée. Plague Knight est un cas particulier, parce qu'il dispose de beaucoup d'options d'achat pour modifier les paramètres de son attaque standard et de son saut explosif, mais qui ne se combinent pas, et que vous pouvez à la place aller modifier à tout moment dans le menu une fois que vous les avez achetés. Cela pousse très loin les possibilités de customisation de votre expérience, et chacune de ces options a une utilité circonstancielle. Je ne les ai pas toutes employées dans ces captures, mais j'ai quand même bien souvent pu me faciliter la vie contre les boss en trouvant une combinaison de trajectoires de bombes et de types d'explosion appropriées aux spécificités de ce combat. Malheureusement, cela intensifie encore le menuing, qui atteint un niveau insoutenable dans cette campagne, avec trois sous-menus assez austères à dérouler chaque fois que vous voulez changer de type de bombe. Tous ces systèmes sont parfaitement bienvenus du point de vue de la diversité du gameplay, mais surtout, ils viennent donner du sens à un élément de gameplay qui fait le lien entre le level design, l'exploration, la progression du personnage, et la performance du joueur. L'argent. C'est l'or. Il est l'or. L'argent est la récompense pour la quasi-entièreté des challenges optionnels que vous propose le jeu. Au sein des niveaux, vous aurez régulièrement la possibilité de fournir un peu plus d'efforts de platforming que le strict nécessaire pour accumuler du capital. Il y a des coffres placés un peu partout dans des endroits difficilement accessibles, ou en tant que secrets, dont vous explorez pour l'argent. Il y a des niveaux bonus et des activités annexes sur la carte dont le but est d'amasser un peu d'argent. Récupérer ces partitions en raison de 2 ou 3 cachés dans chaque niveau vous rapporte également, in fine, de l'argent. Bref, tout ce que vous prenez la peine de faire vous rapporte de l'argent, votre maîtrise mécanique et votre curiosité sont récompensées par de l'argent, que vous pouvez ensuite dépenser dans l'achat d'objets, de vie, d'améliorations permanentes, d'armures alternatives, etc. Il y a juste assez d'argent dans chaque campagne pour acheter tout ce qui est achetable, et vous aurez donc vraisemblablement la satisfaction d'aborder les tout derniers niveaux pleinement améliorés. En tout cas, si vous jouez efficacement. L'argent est en effet utilisé comme remplacement d'un système de vie, et directement lié au fonctionnement de l'échec dans Shovel Knight. J'ai déjà radoté plusieurs fois dans cette émission sur le peu de soin que certains jeux, par ailleurs très réussis, accordent à leur rapport à l'échec, et sur les excellents systèmes inventés par d'autres, et qualifier ça d'un des grands chantiers du game design moderne. Yacht Club Games, pour notre plus grand bonheur, a fait ce travail pour Shovel Knight, et se détache complètement du fonctionnement des jeux qui l'ont inspiré pour ce qui est de la mort, des checkpoints et du game over. Les jeux de l'époque NES étaient courts, parce que stockés sur des cartouches à l'espace minuscule, et pourtant ils étaient vendus cher. Donc pour que les gamins en aient pour leur argent de poche, il fallait que ces jeux leur résistent un moment et soient difficiles, voire très difficiles, à terminer. Ça passait en général par une reprise des codes de l'arcade. Une gradation de difficulté très raide entre des premiers niveaux parfaitement abordables et des derniers niveaux infernaux, des systèmes de vie limitée, du score pour gagner davantage de ses vies, et des game over qui nous renvoyaient à l'écran titre. Megaman et Castlevania, qui ont une réputation de difficulté non usurpée parce que certains passages sont réellement à s'arracher les cheveux, ont en partie traversé les âges, parce qu'ils avaient en fait un système de game over exceptionnellement clément, au vu des standards de cette époque, qui les rendait finissables. Le premier grâce à son système de mots de passe qui faisait office de point de sauvegarde à chaque fois que vous battiez un boss, et le deuxième parce que les game over ne vous renvoyaient jamais plus loin que le début du niveau en cours. Le premier Mario et les premiers Sonic, pour ne citer qu'eux, n'avaient pas cette magnanimité. La difficulté dans ces jeux n'était donc pas tant de négocier des challenges exceptionnellement retors, mais plutôt de les enchaîner avec une marge d'erreur très réduite, de les pratiquer encore et encore pour acquérir une certaine discipline qui nous permettrait d'aller de plus en plus loin, jusqu'à éventuellement pouvoir voir le générique de fin. Cette approche du jeu vidéo était perçue comme standard dans les années 80, mais c'est quelque chose qui a bien changé aujourd'hui. On est beaucoup plus habitué à pouvoir avancer dans un jeu
et à ce qu'une fois un obstacle passé, ce soit définitif. Arrive donc là-dessus Shovel Knight. Commençons par dire que Shovel Knight n'est pas un jeu évident. Vous allez mourir, souvent même, en ratant un saut et en tombant dans le vide, en effleurant de la lave, et bien sûr en tombant dans les inimitables tapis de pique à la Megaman. Quand ce n'est pas le level design qui vous tue, ce sont les ennemis ou les boss, en atteignant le bout de votre barre de vie, qui va de 8 points de vie en début d'aventure à 20 sur la fin. Chacune de ces boules rouges en haut de l'écran représente 2 points de vie. Sauf pour King Knight, où elle n'en représente qu'un. Mais il a également plus de moyens de récupérer ses points de vie. À la fin de chaque campagne, vous avez un résumé de vos performances sur chaque niveau. Il semblerait que je sois particulièrement incompatible avec les niveaux de lave. Bon, mais même si vous mourrez souvent, le jeu rend ça parfaitement acceptable grâce à l'alliance de deux systèmes, celui de checkpoint et celui de perte d'argent. La perte d'argent est ce qui va remplacer l'existence de vie, dans le sens où c'est la punition pour avoir échoué au challenge proposé. Vous perdez un quart de l'argent que vous transportez quand vous mourrez. Mais pas définitivement, parce que Shovel Knight reprend aussi la mécanique de récupération de votre expérience de la série des Souls. Si vous parvenez à revenir au même endroit sans mourir à nouveau, vous aurez l'occasion de remettre la main sur les sacs d'or que vous avez lâchés. J'ai déjà eu l'occasion de qualifier ce système d'excellent dans mes vidéos sur Demon's Souls et Dark Souls. Et je pense qu'ici, il remplace efficacement un système de vie, en donnant des conséquences à vos échecs sans vous empêcher de progresser et de terminer le niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est aussi pertinent que dans les jeux dont il est tiré. On meurt beaucoup plus vite dans un platformer, sur un saut qui part de travers, que dans un Souls, où la principale source de dégâts reste de perdre toute sa vie contre un adversaire, après avoir pris plusieurs coups sans arriver à se soigner. Par ailleurs, il arrive très souvent que les sacs soient dans une position où il est soit impossible de les récupérer, soit suicidaire, et où on s'enferme dans un cercle d'échecs et de pertes d'argent en essayant de minimiser les dégâts à notre compte en banque, comme le premier joueur de poker en ligne venu. Il faut accepter que ces ressources ne soient pas toujours récupérables, et que ce ne soit pas grave, parce que l'importance de ce que vous pouvez acheter avec cet argent est modeste, que les boss, les partitions à collecter et les événements sur la carte vous en donnent de toute façon un bon paquet, et que vous pouvez à tout moment retourner dans un niveau terminé pour le refaire, et ramasser de l'argent pour vous enrichir à l'infini. Non mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Les checkpoints qui se présentent sous la forme de ces espèces de lampadaires, quant à eux, sont beaucoup plus nombreux que dans les niveaux des Megaman sur NES dont le level design tire sa principale inspiration. Il y en a entre 3 et 6, là où dans Megaman, il y en avait seulement un avant le boss, et généralement un au milieu du niveau. Ça signifie que vous n'aurez jamais plus de 3 ou 4 pièces à retraverser en mourant et que l'expérience ne se transforme jamais en la répétition de très longs passages pour aller mourir en un instant sur la section qui pose problème. Ce qui était le cas avec par exemple le monde 8 de Super Mario Bros. Et entendez bien que je ne porte pas ici de jugement sur l'une ou l'autre de ces approches. J'ai expliqué dans une vidéo sur Mario Bros. En quoi cette répétition était cohérente avec les choix de level design et de structure, donc ce n'est pas le diable. Mais il faut reconnaître que la manière de faire de Shovel Knight est beaucoup plus en accord avec les habitudes de jeu de son époque. Pour ceux qui trouvent ce système de checkpoint trop permissif et qui auraient aimé être obligés de s'imposer la même rigueur que sur NES, une alternative est prévue. Une alternative qui n'est pas juste « t'as qu'à pas t'en servir », mais qui récompense le fait de ne pas s'en servir. Vous pouvez briser les checkpoints en échange d'une quantité d'argent d'autant plus conséquente que la section qui précède ce checkpoint est dangereuse. Alors personnellement, passé la plaine de départ, je n'ai plus jamais jugé que le risque en valait la chandelle, et pour m'appâter, il aurait fallu proposer significativement plus d'argent que ça. Mais c'est peut-être aussi parce que ma confiance en ma capacité à traverser ces niveaux d'une traite sans mourir est assez basse, non sans fondement. Et quelqu'un avec moins de main gauche et plus de main droite pourrait trouver ça normal de prendre régulièrement ce risque. Cet ensemble de choix faits pour Shovel Knight, concernant son rapport à l'échec et aux récompenses optionnelles, lui permettent de proposer régulièrement des challenges de plateforme ou de combat qui sont raisonnablement corsés, et qui n'ont rien à envier aux jeux qui l'ont inspiré, sans paraître pour autant particulièrement difficile, parce que tout progrès se retrouve vite définitivement validé, et que la différence entre un très bon joueur et un novice va principalement être la quantité d'argent qu'ils ont sur eux en terminant le niveau. Tout cela étant dit, on peut maintenant se pencher plus en détail sur ce fameux level design, auquel nous allons consacrer la partie suivante. On va prendre les campagnes les unes après les autres, et voir quels principes de level design elles appliquent, et comment elles itèrent sur les mêmes concepts de niveau.
Pour Shovel of Hope, avant de parler des niveaux eux-mêmes, il faut mentionner leur agencement, c'est-à-dire la carte du monde. Cette carte, vaguement inspirée de celle de Super Mario Bros. 3, vous présente les différents niveaux, les deux villes basées sur le modèle de celle de Zelda 2 avec leur PNJ qui traverse l'écran et que vous pouvez aborder pour taper la discute, les petites sections annexes où trouver de l'argent en explorant les possibilités de gameplay offertes par une relique, et de temps en temps, un boss optionnel viendra s'y balader et vous pourrez aller le défier en le rentrant dedans. Il n'y a pas une grande profondeur de gameplay associée à cette carte du monde qui est principalement un écran de sélection de niveau de luxe, mais ce n'est pas grave, parce qu'elle remplit deux fonctions plus discrètes, mais non moins appréciables. La première, c'est qu'elle donne au monde de Shovel Knight une cohérence géographique. On sait comment les environnements sont agencés les uns par rapport aux autres, on sait que cette tour du destin qu'on voit régulièrement en arrière-plan se situe tout à l'est, on comprend en quoi l'avant-poste est un avant-poste au vu de sa position. Ce n'est pas non plus un point d'une importance cruciale, mais on peut prendre conscience de son intérêt en notant le caractère décousu de ce même univers dans Spectre of Torment, qui abandonne la carte du monde au profit d'un écran de sélection de niveau plus basique. La deuxième fonction que remplit cette carte du monde, c'est qu'elle nous donne l'accès aux mini-niveaux principaux en trois vagues, sans que ça semble arbitraire, puisque justifié par la progression géographique vers l'est. Et ça par contre, c'est extrêmement important, parce que ça règle d'un seul coup un vrai problème de la structure des Megaman, dont j'avais parlé dans l'épisode sur la sous-série Megaman Zero, et qui était encore plus prégnant dans les originaux sur NES, à savoir la courbe de difficulté décroissante. Puisque les 8 niveaux qui vous étaient présentés d'entrée de jeu étaient conçus pour être abordés dans n'importe quel ordre, et puisque vous trouviez des armes secondaires et des conteneurs de vie dans les premiers niveaux que vous traversiez, le jeu devenait de plus en plus simple tandis que vous progressiez, et le moment le plus difficile de chaque jeu était d'arriver à trouver un premier niveau et un boss, finissable avec seulement le tir de base. Ici, pas de problème de ce genre. Vous avez au départ le choix entre les niveaux de King Knight et celui de Spectre Knight, qui sont plutôt abordables, et présentent comme seuls dangers environnementaux un peu de vide, puis entre ceux de Mole Knight, Treasure Knight et Plague Knight, qui introduisent des mécaniques plus contraignantes, comme les pics, la lave et beaucoup de sources de dégâts. Et pour terminer, les niveaux de Propeller Knight, Tinker Knight et Polar Knight, qui sont les plus exigeants, avec des pics et du vide partout, en plus de mécaniques qui compliquent grandement le platforming, comme la glace, le vent et les tapis roulants. De la même manière, les boss eux-mêmes gagnent en complexité, et il aurait été déraisonnable de demander au joueur qu'il aille se frotter à Polar Knight, avec ses 4 points de vie de début de jeu. Bon, alors penchons-nous sur la construction des niveaux eux-mêmes. On va commencer par rappeler quelles sont les bases de level design de Megaman qui sont reprises ici. Il s'agit déjà de niveaux longs, puisqu'il y en a peu dans le jeu, pensés autour d'un cadre thématique qui va unifier les différentes mécaniques présentées. Par exemple, toutes les mécaniques dans l'Explodatorium tournent autour de l'alchimie et des explosions. Un boss nous attend à la fin, qui est lui aussi thématiquement cohérent avec le reste du niveau, et sert à le conclure dans une apothéose mécanique satisfaisante. Shovel Knight reprend aussi des Megaman NES la structure de ses niveaux en pièces, séparées par des transitions de caméra, qui provenait certainement de limitations de mémoire propres à la NES, et qui du coup a été abandonné à partir de Megaman X, mais qui n'était pas dépourvu d'intérêt ludique. Différents formats de pièces existent, et viennent déjà apporter du rythme et de la variété, avant même qu'on parle de mécaniques propres au niveau. Certaines sont des couloirs qu'on doit traverser de gauche à droite, ou plus rarement des puits verticaux qu'on doit descendre ou monter. Les autres tiennent dans un simple écran, mais même celles-ci présentent plusieurs variations. La pièce qu'on doit simplement traverser horizontalement ou verticalement et qui est souvent utilisée comme une respiration, la pièce en escalier, la pièce en zigzag. Chacune de ces dispositions se prête à des challenges de plateforme ou de combat différents. Un écran qui zigzague nous laisse le temps de bien appréhender les difficultés qui nous attendent et de planifier nos mouvements. Les longs couloirs, au contraire, présentent une suite de challenges auxquels on doit réagir à la volée une fois qu'ils deviennent visibles. Les escaliers nous placent dans une position désavantageuse par rapport à des ennemis qui peuvent nous attaquer sans peine, tandis que nous, on doit d'abord les rejoindre en étant exposés. Les puits montants nous demandent de réussir des séries de sauts de précision sous peine de retomber et de devoir reprendre au plus bas, tandis que les puits descendants nous empêchent au contraire de revenir en arrière et demandent de prendre le temps d'identifier la bonne trajectoire à suivre pour ne pas finir dans des pics ou sur un ennemi. Sur ce squelette viennent se rajouter les mécaniques propres à chaque niveau, en accord avec sa thématique centrale, ce qui inclut son bestiaire puisque finalement les ennemis ne sont jamais que des mécaniques mobiles et dans certains cas éliminables. Très peu d'ennemis sont recyclés sur plusieurs niveaux, je crois d'ailleurs que ça se résume aux dérivés des Gold Armors, et ça donne une variété très appréciable. Enfin, le dernier point de level design à noter concerne les secrets et l'exploration. Au-delà des joyaux et coffres à trouver en tapant dans les murs, il y a dans chaque niveau de Shovel of Hope une poignée de salles optionnelles et cachées, accessibles en décelant un chemin dissimulé dans un coin de l'écran, ou en cassant un mur, ou en allant volontairement dans la mauvaise direction. La plupart du temps, elles proposent un challenge supplémentaire avec comme récompense un coffre d'argent. Mais c'est aussi dans ces pièces que vous trouverez les partitions de musique, qui sont le principal collectable de ces aventures. Leur simple existence nous fait considérer notre environnement sous un angle supplémentaire. On ne cherche plus seulement à identifier les dangers et les trajectoires optimales,
mais aussi les potentiels secrets. On va donc accorder une attention particulière aux murs suspects, aux ennemis bizarrement placés sur lesquels on peut rebondir pour atteindre un coin de l'écran, à ce qui ressemble à un passage empruntable. Les making-of consultables sur le blog de Yoikle Games témoignent de l'incroyable soin et de la quantité de travail qui sont passés dans la conception de chaque pièce, de chaque niveau, pour en faire une petite merveille de game design, jusque dans leurs détails. Le placement des gemmes utilisées pour guider l'œil du joueur et indiquer la trajectoire optimale à travers la pièce, ou encore pour épicer avec un peu de challenge optionnel des sections qui sinon seraient trop plan-plan, la prévision de raccourcis empruntables avec un peu d'adresse, et d'occasion d'employer les reliques pour se faciliter la vie, le soin accordé aux arrière-plans pour qu'ils ne viennent jamais entacher la lisibilité du gameplay, et au contraire la renforce, comme de placer un fond noir derrière ses lanternes, ou de communiquer la présence de vide mortel par un dégradé dans l'arrière-plan, la réflexion passée derrière le placement de chaque case de terrain, chaque ennemi, chaque élément de gameplay, pour composer des énigmes de platforming qui sont franchement rien moins que des bijoux d'artisanat. Non seulement il n'y a pas de mauvais niveau dans Shovel Knight, mais plus encore, j'irais jusqu'à dire qu'il n'y a pas la moindre mauvaise pièce. En ce sens, le jeu pulvérise les Megaman dont il a repris ses principes de level design, parce que même s'ils avaient des moments de gloire, ils présentaient aussi souvent des pics de difficultés absurdes, des challenges répétés sans gradation, des mécaniques exploitées dans un cadre extrême sans avoir été correctement introduites, ou au contraire des mécaniques introduites sans être réexploitées plus loin. Plus on décortique et conscientise ce level design, et plus on apprécie Shovel Knight et l'exploit qu'il représente dans ce domaine. Mettons rapidement tout ça en application pour décoder un des 8 niveaux principaux. On va se pencher sur celui qui se déroule au fond de l'océan et dans le sous-marin de Shovel Knight, la baleine de fer, et on s'en servira plus loin comme fil rouge pour voir comment les autres campagnes font évoluer ce level design. Malheureusement, aucune carte complète du niveau n'est trouvable en ligne. Donc j'en ai fait une, parce que c'est pas ça qui va arrêter notre noble cause. La forme du niveau elle-même est porteuse de sens. On descend à travers le sous-marin, puis on longe le fond de l'océan en descendant encore, jusqu'à passer par des abysses complètement sombres, habités par le mini-boss Lamproie Géante. Puis on remonte dans le sous-marin comme si on s'y infiltrait, qu'on traverse horizontalement jusqu'à rejoindre le boss. Le tout nous fait parcourir 22 pièces obligatoires, en comptant celle du boss, avec 5 pièces optionnelles disposées à intervalles réguliers tout au long du chemin. Les deux formats de pièces qui sont favorisés ici sont les longs couloirs horizontaux qui nous font progresser vers la droite, il y en a 6 au total, plus une des pièces optionnelles, et les écrans qu'on doit traverser verticalement de haut en bas, 7 au total, le plus souvent avec une disposition en zigzag qui permet de présenter des énigmes de platforming. Pour ce qui est des mécaniques propres à ce niveau, nous avons comme ennemi inédit une petite dizaine de créatures aquatiques. Des crustacés, des raies, des murènes, des anguilles, des mages mollusques anthropomorphisés. Et comme élément de platforming, la modification de la physique qui vient avec le fait d'être sous l'eau, des plateformes retenues par des algues qui remontent quand on passe dessus, des plateformes faites de bulles qui disparaissent après quelques instants passés dessus, et à l'intérieur du sous-marin, des ancres qui s'abattent à notre approche, sur lesquelles on peut se tenir pendant qu'elles remontent, ainsi que des plateformes autopropulsées. Toutes ces mécaniques interagissent avec les options de mouvement de notre personnage, ici Shovel Knight, pour composer les challenges internes à chaque pièce. Rebondir sur les têtes d'une série d'anguilles géantes, dégager des blocs en envoyant dessus la carapace d'un crustacé à coup de pelle, calibrer la hauteur de nos sauts sous l'eau pour ne pas toucher les pics qui tapissent le plafond, etc. Ces mécaniques sont également introduites et développées sur une partie restreinte du niveau, avant de disparaître au profit d'une autre. Niveau qui se retrouve donc découpé en sections mécaniquement indépendantes. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais ça l'est souvent, y compris ici. La baleine de fer s'ouvre avec plusieurs pièces qui tournent autour des crustacés, puis plusieurs pièces qui tournent autour de la physique sous-marine, puis plusieurs qui tournent autour des anguilles géantes, etc. Jusqu'à la dernière section basée sur des plateformes autopropulsées, juste avant d'arriver au boss. Ça permet de renouveler constamment le challenge proposé et d'éviter de tomber dans une quelconque routine. Examinons de plus près une de ces sections, celle qui introduit et développe les Craps, ces espèces d'anguilles géantes roses. Le principe de ces ennemis est qu'ils ne sont vulnérables qu'au niveau de leur tête, qu'ils surgissent de leur trou et qu'ils viennent barrer une partie de l'écran avec leur corps, que vous ne pouvez pas traverser même durant vos frames d'invincibilité. La section qui tourne autour de ces créatures se compose de 4 pièces, une optionnelle, un couloir horizontal et 2 écrans en zigzag à traverser verticalement. Le premier grab que vous croisez est situé dans une position telle que vous allez forcément vouloir lui rebondir dessus, et découvrir qu'il faut toucher sa tête pour le vaincre. Le deuxième, juste derrière, est positionné pour que vous constatiez que ça marche aussi avec un coup de pelle normal, parce que le plafond est trop bas pour vous permettre de sauter confortablement pour réitérer la même manœuvre de rebond que sur le premier. En quelques secondes, et sans en faire des caisses, la mécanique a été introduite et son fonctionnement inculqué aux joueurs. Les deux suivants sont utilisés comme obstacles à vos sauts, que vous devez négocier avec cette fois le risque de tomber dans un trou en cas de mauvaise manip, et la pression d'une murène, venue au même moment vous titiller les fesses.
L'écran se termine sur un challenge cette fois de combat, puisque vous devez éliminer les deux grappes qui surgissent du plafond ou du sol, tout en esquivant les projectiles envoyés par des crustacés en dessous de vous. La pièce optionnelle à droite de celle-ci propose un challenge de plateforme pour un coffre bonus dans lequel vous devez au retour rebondir sur plusieurs grappes à la suite. En descendant d'un écran, on se retrouve dans une pièce qui propose cette fois un challenge de platforming, basé sur le timing du mouvement des grappes. Il faut atteindre la transition suivante en bas à gauche, et en particulier, traverser ce trou, qui est trop large pour être franchi en un saut. Et ça va demander de dégager, d'exploiter, plusieurs grappes, tandis qu'ils entrent et sortent de leur trou. Enfin, le dernier écran avec cette mécanique présente une énigme de platforming. Vous devez à nouveau rejoindre la transition suivante en bas à droite, mais l'accès à celle-ci est bloqué par le corps de 4 grappes que, je rappelle, vous ne pouvez éliminer qu'en les attaquant au niveau de la tête. Il va donc falloir se mettre en danger et passer par la plateforme mouvante au-dessus des pics pour dégager le chemin. Après ça, les designers ont estimé que la mécanique avait été exploitée à son plein potentiel, et la section qui lui est consacrée est terminée. Mais toutes les pièces de tous les niveaux présentent un degré de réflexion similaire, et personnellement, je trouve ça proprement époustouflant. Pour la première des campagnes de boss promises par les objectifs additionnels de la campagne Kickstarter, Plague of Shadows, Yacht Club Games a décidé de reprendre presque entièrement la structure et les niveaux de Shovel of Hope, et d'axer la nouveauté de l'expérience exclusivement sur le gameplay de Plague Knight. Ces niveaux sont donc les mêmes que ceux que vous avez traversés avec Shovel Knight, à deux ajouts près. Déjà, des pièces vertes ont été disposées un peu partout, à raison d'une trentaine par niveau, pour faire office à la fois de collectables principales pour cette campagne, de challenges supplémentaires quand leur obtention est délicate, et de guides visuels pour les trajectoires de saut possibles avec Plague Knight. Et puis, une section supplémentaire de quelques écrans a été incluse dans chaque niveau, dont l'entrée dissimulée est à chaque fois indiquée par une pièce verte prise dans un mur. C'est dans cette section que vous trouvez une relique inutile à échanger plus loin contre l'arcane de ce niveau. Mais surtout, ces sections ont l'intérêt d'être designées en fonction des possibilités de gameplay de Plague Knight, et la différence avec le reste de la campagne est frappante. En effet, le vrai point noir de Plague of Shadows, c'est l'inadéquation entre le gameplay du personnage et le level design. Tout dans les niveaux que vous traversez est designé pour Shovel Knight, pour la longueur et la hauteur de son saut, pour sa capacité à rebondir sur des trucs, pour le recul qu'il prend en prenant des dégâts. La lisibilité des écrans s'en ressent, et le level design n'est plus un élément qui vous accompagne avec bienveillance. Je comprends bien que c'est le principe de Plague of Shadows de vous faire traverser des environnements familiers avec un ensemble d'options de mouvement différents. Plus exigeant dans sa prise en main, mais aussi plus riche s'il est bien utilisé. Mais si on refuse l'idée que le level design doit être calibré en fonction des possibilités de gameplay du personnage qu'on contrôle, alors c'est toute la philosophie appliquée dans les trois autres campagnes qui s'effondre, alors que c'est elle qui fait leur excellence. Du coup, je dirais que Plague of Shadows arrive à être un bon jeu malgré son level design, et pas grâce à lui. Parce qu'il a d'autres qualités, et manifestement les développeurs ont eu la même réflexion, parce qu'ils ont abandonné l'idée, pour les deux autres campagnes de boss qu'ils s'étaient encore engagés à fournir, de simplement proposer une variation dans le gameplay du personnage, et ont conçu des niveaux entièrement inédits pour Spectre of Torment. Ces refontes de niveaux de Shovel of Hope, dont on a déjà vu qu'elles présentaient des variations esthétiques par rapport à ceux qu'elles reprennent, suivent elles aussi de près les principes de design à la Megaman, qu'on a détaillé plus haut, et se concentrent sur le fait d'adapter les mécaniques déjà existantes au gameplay de Spectre of Torment, et d'en proposer quelques nouvelles. Revenons sur la baleine de fer. Trois nouvelles mécaniques sont introduites. D'abord cette bulle que vous pouvez déplacer à la surface pour vous en servir ensuite pour déclencher un dash, dont le fonctionnement est présenté dès le premier écran. Ensuite une variation du niveau de l'eau qui accompagne la bulle à deux occasions et rajoute sur quelques autres écrans une considération de timing de platforming sous-marin. Et puis sur la fin du niveau, ce gros poisson clairement tiré tout droit de Super Mario Bros. 3 qui aura filé des cauchemars à pas mal de gamins, et qui va vous pourrir la vie le temps d'un couloir horizontal, sur lequel vous pouvez rebondir à coups de dash. À côté de ça, plusieurs mécaniques sont reprises et adaptées. Les grabs, par exemple, font leur retour, mais sont cette fois disposés de manière à entrer en synergie avec le dash et à pouvoir être enchaînés au-dessus de gouffres mortels. Pour King of Cards, par contre, c'est la structure même du jeu et le modèle des niveaux qui sont repensés. Cette campagne tire moins son inspiration de Mega Man et plus de la série Mario. La carte est plus complexe, découpée en 4 mondes, et présente des niveaux plus nombreux mais aussi plus petits, pour la plupart optionnels, qui suivent les principes de design de Mario. Alors on a déjà détaillé ces principes dans d'autres épisodes, mais je vais les résumer ici. Les niveaux de King of Cards sont centrés autour d'une mécanique unique, introduite, développée et exploitée à fond au sein de ce seul niveau. Ils comprennent un unique checkpoint en leur milieu, ils finissent sur une apothéose de difficulté à l'issue de laquelle on touche l'équivalent d'un poteau de fin plutôt que d'affronter un boss, qui eux sont relégués au rôle de rencontre errante sur la carte du monde. Ils comportent chacun 3 collectables, utilisés comme récompense pour des challenges optionnels ou pour l'exploration, exactement comme les 3 pièces étoiles des New Super Mario Bros. Et certains d'entre eux présentent une sortie cachée, comme dans Mario World, qui dévie du chemin principal à peu près au niveau du checkpoint, et qui généralement va explorer brièvement une mécanique différente de celle du reste du niveau.
Chaque thème des campagnes précédentes est ici réparti sur deux ou trois niveaux, qui là encore, adaptent des mécaniques déjà existantes aux possibilités de gameplay de King Knight, et en présentent quelques nouvelles. Si on reprend la baleine de fer, ce thème est principalement étalé sur deux niveaux, et un combat de boss errant contre Treasure Knight. Le premier introduit une mécanique de plafond mouvant, qui entre en résonance avec la nécessité pour King Knight de charger contre un mur pour gagner de la hauteur, et reprend le gros poisson un peu sous-exploité dans Spectre of Torment, dans des situations beaucoup plus complexes. Dans la sortie normale, il est combiné au plafond mouvant, et dans la sortie cachée, il est combiné à la physique aquatique et à d'autres ennemis, pour donner dans les deux cas des sections extrêmement tendues. Le deuxième niveau tourne autour de la faune aquatique, les grabs qui font leur retour dans des dispositions encore différentes pour fonctionner au mieux avec les options de mouvement de King Knight, les mantas, qui étaient assez sous-exploités jusque-là et qui sont ici utilisés comme point de lancement mobile pour un tourbillon, et le mini-boss lamproche géante, qui occupe toute la deuxième moitié et qui nous poursuit cette fois dans un scrolling vertical descendant plutôt qu'horizontal. Même si je dois dire que je préfère globalement la structure des niveaux à la Mega Man, où je trouve plus propice à la créativité avec sa division en sections indépendantes et plus satisfaisante avec sa longueur qui permet d'exploiter à fond les concepts proposés, ce changement de format est tout à fait bienvenu dans King of Cards, puisqu'il permet de proposer quelque chose de significativement différent des trois campagnes précédentes et d'explorer de nouvelles manières de concevoir et présenter des niveaux avec toujours le même degré d'exigence et de perfectionnement appliqué à cette formule alternative. Si l'exposé de ses méthodes et de ses principes vous met autant l'eau à la bouche que moi, et si le level design est une discipline qui vous intéresse, alors vous serez peut-être tenté de mettre tout ça en application pour créer vos propres niveaux d'action platformer. Sachez qu'il existe deux outils faciles d'accès qui permettent de faire ça, le fameux Mario Maker commercialisé par Nintendo, ainsi que le fangame Mega Man Maker, qui est son équivalent pour les Mega Man NES, comprenant toutes les ressources graphiques et toutes les mécaniques de la série présentées d'une manière lisible et exploitable. Alors évidemment, vous devez vous restreindre au gameplay un peu simpliste de Mario dans un cas et de Mega Man dans l'autre, mais c'est une très bonne manière de prendre conscience des enjeux et des difficultés de la création de niveaux, et de s'entraîner à appliquer tout ou partie des techniques qu'on a vues ici, sans avoir à mettre les mains dans le cambouis avec de la programmation ou des moteurs complexes comme Unity. Pour terminer cette partie, examinons le design des boss de Shovel Knight. Sans surprise, lui aussi est principalement repris des Mega Man, enfin plus précisément des Mega Man X et Mega Man Zero, avec leurs patterns créatifs, clairement télégraphiés et variés, parce que les boss des Mega Man sur NES étaient surtout des petites crottes qui sautillaient partout en balançant des attaques qui n'étaient pas humainement possibles d'esquiver, et que vous étiez invité à bourrer avec leurs faiblesses, avant que votre propre vie soit vide, pour lesquels je n'ai aucun respect. Tiens, vas-y, esquive la boule de feu, là. Les boss de Shovel Knight ont chacun 20 points de vie que vous devez leur ôter un par un, ce qui assure que le combat ne se termine pas en une fraction de seconde sur un combo de la mort, et que vous ayez le temps de voir tous ces patterns. On va prendre Spectre Knight pour illustrer ce qu'on dit dans cette partie, qui en tant que boss de début de jeu, est particulièrement lisible. Ces patterns, en plus de créer le rythme et la difficulté du combat, ont pour rôle de communiquer la personnalité du boss. Spectre Knight passe une bonne partie de son temps à se téléporter dans un coin de l'arène pour envoyer tournoyer sa faux, qui peut suivre plusieurs trajectoires. De temps en temps, il se précipite sur nous pour placer un puissant coup de faux qui retire 2 points de vie, et par-dessus lequel il faut sauter. Et entre ces patterns, il effectue des va-et-vient sur la moitié haute de l'écran, qui constitue sa principale fenêtre de vulnérabilité. Jusque-là, tout va bien, mais une très bonne idée des combats de boss de Shovel Knight, c'est d'intensifier progressivement leur challenge. Vers la moitié de sa vie, Spectre Knight commencera à invoquer des squelettes pour faire diversion et complexifier vos déplacements. Vous avez tout intérêt à les éliminer en priorité parce qu'après un moment, le boss le fera lui-même, pour se régénérer. Une fois sa vie restante réduite à 3 boules rouges, il utilisera sa carte maîtresse, qui est de plonger l'arène dans les ténèbres, une mécanique introduite plus tôt dans le niveau pour complexifier encore le positionnement et la reconnaissance des patterns, et constituer une fin de combat aussi tendue que possible. Cette intensification tandis que la barre de vie du boss descend prend parfois des formes plus drastiques, qui peuvent s'assimiler aux changements de phase devenus standards dans les boss design des derniers jeux de From Software. Par exemple, durant le dernier affrontement contre Black Knight, celui-ci gagnera des ailes et la capacité de voler après quelques points de vie perdus. Les affrontements finaux de chaque campagne se font quant à eux en plusieurs phases, ayant chacune leur propre barre de vie, un standard là encore des Mega Man et autres Castlevania, mais à part dans le cas de King of Cards qui nous demande d'enchaîner les deux dernières phases de son boss de fin sans mourir, chaque campagne nous ramène en cas d'échec au début de la phase en cours, plutôt qu'au checkpoint précédent, ce qui simplifie considérablement ces moments. On remarquera au passage que le système de faiblesse élémentaire de Mega Man n'est pas du tout repris ici, et que rien ne nous permet de court-circuiter les boss, à part éventuellement un usage intelligent des reliques les plus appropriées, comme l'encre à lancer en cloche contre Propeller Knight. Je pense que c'est une bonne chose parce que ces boss sont au centre de ce que Shovel Knight raconte, et il serait dommage de pouvoir les pulvériser en trois coups d'une arme à laquelle ils seraient vulnérables. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas susceptibles de se faire truander. Comme on l'a dit plus haut, activer le collier de phase et coller le boss en tapant comme un sourd, est une tactique qui ne met rien en valeur dans le combat, mais qui est tristement efficace.
Spectre Knight est à mon avis l'un de ceux qui décourage le plus cette méthode, en se téléportant constamment et en restant mobile en l'air. Mais le design de certains autres boss l'encourage au contraire complètement, comme Polar Knight, qui couvre l'écran de grosses hitbox, qui bouge lentement, qui se protège des attaques conventionnelles par rebond, et qui fait apparaître des pics au sol, auxquels le collier de face vous immunise également. De manière générale, il est un peu trop facile de passer les boss de Shovel Knight au premier essai en bourrinant pour vider leur vie plus vite qu'ils ne vident la vôtre, sans avoir vraiment compris ou même identifié leur pattern. Et je trouve ça un peu dommage, parce que ces personnages et le travail passé dans leurs sprites, leurs patterns et leurs animations mériteraient qu'on soit forcé de s'investir un peu plus dans ces affrontements. Tout comme le design des niveaux, celui des boss évolue au cours des différentes campagnes, même si ce sont principalement les mêmes personnages qu'on va affronter à chaque fois. Enfin, pas dans Plague of Shadows, les boss sont rigoureusement identiques et ne font d'ailleurs pas les malins face à la puissance de feu accrue de Plague Knight. La potion de sangsue qui vous soigne quand vous infligez des dégâts remplit un rôle similaire au collier de phase, en vous permettant de bourriner votre adversaire sans vous soucier de vous faire toucher. Spectre of Torment introduit pour chaque boss de nouveaux patterns, et dans certains cas une arène différente, qui les rendent plus complexes que dans Shovel of Hope, pour tenir compte de la mobilité et du potentiel offensif accru de Spectre Knight. Par exemple, Polar Knight fait maintenant tomber des blocs de glace qui gênent vos déplacements, qu'il détruit quand il charge, et que vous pouvez escalader avec la mécanique de course contre les murs. King of Cards introduit une quantité respectable de boss inédits et calibrés autour de ses options de mouvement, notamment ce boss secret qui constitue une savoureuse référence au premier Final Fantasy, avec ses cristaux et ce sprite gigantesque statique sur le côté de l'écran, mais surtout, cette dernière extension reprend les combats modifiés de Spectre of Torment pour les chevaliers de l'Ordre des Sans-Quartiers, qui se baladent cette fois sur la carte, en y ajoutant encore un élément de complexité, par exemple les loups qui accompagnent Polar Knight. Pour contrebalancer un peu cette complexité accrue, ainsi que la vie plus basse de King Knight par rapport au précédent protagoniste, King of Cards présente la possibilité de récupérer de la vie au cours du combat, à raison d'un cœur libéré par le boss tous les 3 coups qu'il subit. Pour cette raison, les affrontements dans King of Cards sont plus intenses, plus disputés, plus difficiles également, parce que le regain de vie ne représente en général que 6 PV à l'échelle du combat, et ne compense pas totalement la violence de vos adversaires. Mais aussi, il faut bien le dire, souvent plus bordélique que dans les campagnes précédentes. Même sans objet pour vous rendre invincible ou récupérer de la vie, les méthodes d'attaque de King Knight, les soins qui vous encouragent à être agressif, et les hitbox qui volent de partout, résultent rarement en des combats très propres. De manière générale, le boss design de Shovel Knight est bon, et remplit bien son rôle de ponctuation de l'expérience de jeu, mais je pense qu'il aurait gagné à être plus exigeant, pour fournir des victoires plus satisfaisantes, quitte à ce qu'on repasse un peu plus par le checkpoint qui précède le combat. Bon, alors on a décortiqué l'esthétique pseudo 8-bit, le gameplay de chaque campagne qui mélange intelligemment des tas d'influences pour parvenir à sa propre identité, et le level design stellaire qui porte l'expérience de jeu. On pourrait s'arrêter là parce qu'on a tous les éléments de l'aventure du premier pas dans les plaines jusqu'au dernier coup de pelle dans la tête du boss de fin, mais Shovel Knight, lui, ne s'arrête pas là, et propose beaucoup, beaucoup de choses en plus de ce qui est strictement nécessaire pour visionner son générique de fin. Et comme c'est le glaçage qui finit d'en faire un chef-d'œuvre, on va y consacrer une dernière partie. Comme on l'a dit plus haut, la campagne de financement sur Kickstarter de Shovel Knight a été un franc succès, et le compteur a explosé tous les paliers additionnels associés chacun à un mode bonus, ou à du contenu en plus. Et c'est ça qui en fait un jeu exceptionnellement complet, je dirais même débilement complet. Et dans cette dernière partie, nous allons faire le tour de tout le contenu annexe proposé par Shovel Knight, qui en fait une expérience quasiment sans fin. Avant même de parler de mode annexe ou d'options de rejouabilité, on peut constater que chaque campagne est déjà caffi de contenu, bien au-delà du minimum syndical au vu de son format et de son genre. On peut mentionner les boss. Au vu de ce qu'on disait dans la partie précédente, vous avez peut-être eu l'impression que chaque campagne présente 8 boss, un pour chaque niveau, plus un boss final en plusieurs phases. Mais vous êtes loin du compte, cher ami imaginaire! Rien que Shovel of Hope comporte 20 boss, et c'est sans compter les rencontres un peu redondantes comme le traditionnel boss rush à la Mega Man, et le deuxième affrontement contre Black Knight, qui est similaire au premier avec simplement plus de vie. Cela couvre ceux affrontés dans des zones optionnelles comme le chef des fantômes du Hall des Anciens, ceux qui constituent des bonus exclusifs à certaines versions du jeu, à savoir Kratos sur PlayStation et les Battletoads sur Xbox et PC, et surtout ceux sur lesquels vous pouvez tomber en vous baladant sur la map. Ces personnages qui semblent sortir un peu de nulle part et repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, ont été designés par les contributeurs à la campagne Kickstarter qui avait donné plus de 1000$, et qui en contrepartie ont eu le droit de travailler pendant une journée avec le staff de Yacht Club Games pour concevoir un personnage, un boss ou un scénario. Et c'est ainsi que sont nés Baz, Rise, Mr. Hat et le Frappeur Fantôme, qui ici sont très anecdotiques, mais qui deviendront des personnages récurrents des campagnes suivantes. Le Frappeur Fantôme remplace par exemple le Spectre Knight en tant que boss du Jardin des Liches dans Spectre of Torment.
Le jeu tout entier compte rien de moins qu'une cinquantaine de boss, si on compte séparément les différentes apparitions de ceux qui gagnent des patterns de campagne en campagne. Et c'est bien au-delà de ce qu'on pouvait raisonnablement en attendre. On peut aussi mentionner le Joustus, qui est le fameux jeu de cartes au centre du scénario de King of Cards, et dans lequel vous êtes invité à vous investir tout au long de cette campagne, mais qui est en fait parfaitement optionnel. Vous pouvez voir le générique de fin, sans jamais jouer la moindre partie de Joustus. Les règles, à base de pousser les cartes en dehors du terrain ou sur des gemmes qui font office de points de victoire à occuper, sont étonnamment riches. L'équilibrage est aux petits oignons, et le jeu introduit constamment de nouvelles mécaniques, de nouvelles règles, de nouveaux types de terrains, des boss aux capacités spéciales qui modifient le déroulement de la partie, pour que la courbe d'apprentissage et celle de difficulté soient toutes les deux en croissance raide tout au long de la campagne. Il n'est pas rare de passer plusieurs minutes à réfléchir à un coup comme devant un plateau d'échecs, parce que les conséquences immédiates comme à long terme de vos actions ne sont pas évidentes. Il faut une certaine capacité de projection, ou au moins sur le tour suivant, pour jouer correctement au Joustus. Et le jeu exploite ça en proposant à plusieurs reprises des énigmes, à résoudre en un seul mouvement, qui m'évoquent beaucoup ces énigmes d'échecs où blanc joue et gagne en trois coups, dans certains magazines. Les mécaniques associées à chaque carte, et notamment à chaque personnage important, traduisent ses capacités en tant que combattant sous une forme adaptée à ce jeu de cartes. Par exemple, Shovel Knight a une triple flèche vers le bas, pour traduire son rebond signature, ou encore Polar Knight bouge automatiquement vers la gauche à chaque tour, pour figurer sa fameuse attaque bulldozer, qu'il lance quelques secondes après le début du combat. Vous pouvez voler une carte à chacun de vos adversaires vaincus, ce qui vous permet d'améliorer progressivement votre deck, pour faire face à des challenges de plus en plus importants. Et cette progression fait vraiment du Joustus un jeu dans le jeu, qui ne manquera pas d'évoquer aux connaisseurs des vieilles gloires comme le Triple Triad de Final Fantasy VIII, ou l'adaptation du jeu de cartes Pokémon sur Game Boy, qui en enrobait les systèmes de JCC, dans une progression scénarisée inspirée de la série principale, et dont c'était justement la première qualité. Après, aussi bien fichu que soit le Joustus, il faut bien reconnaître que son inclusion dans la troisième extension d'un platformer sans que personne ne l'ait réclamé, a de quoi faire lever un sourcil. Beaucoup de joueurs qui veulent de la plateforme ne sont pas du tout intéressés par ce type d'expérience, plus axée sur la réflexion, et certains témoignent s'être purement et simplement éjectés du jeu, en croyant comprendre que le Joustus allait être nécessaire à la progression. Et c'est difficile de les blâmer, parce que c'est effectivement ce que semblent dire les premières minutes d'exposition. Il faut également bien dire que cette composante de King of Cards est à la fois difficile, j'ai parfois dû recommencer certaines parties plus d'une dizaine de fois avant que l'âme des cartes soit de mon côté. Exodia le maudit ! Oh, c'est impossible ! Et par conséquent très longue, plus de la moitié de mes captures sur cette campagne est consacrée au Joustus. La possibilité d'acheter des options de triche n'a pas aidé à ramener ces joueurs réfractaires parce que personne n'aime gagner en trichant ouvertement, à part peut-être Valérie Pécresse. Ça reste quand même une franche réussite, pour ce qui se présente à la base comme un simple mini-jeu. Bon alors penchons-nous maintenant sur les modes de jeu supplémentaires. Sur l'écran titre, vous remarquerez que la campagne solo n'est pas du tout le seul mode que Shovel Knight propose, et parmi ceux qui l'accompagnent, le plus important est certainement Showdown. Vendu également à part pour 10€, Showdown se veut être une sorte de Super Smash Bros avec les personnages de Shovel Knight. C'est un jeu de combat minimaliste en arène fermée avec des mécaniques de platforming, où vous vous fritez joyeusement contre jusqu'à 3 autres combattants, qui peuvent être des joueurs humains, pour rester le dernier en vie, ou accumuler le plus de gemmes en occupant intelligemment l'espace. 8 personnages sont proposés au départ, et 12 autres débloquables pour un total très respectable de 20, et chacun d'entre eux a son gameplay propre, qui extrapole comment ils auraient pu être joués s'ils avaient eu droit à leur propre campagne. Certains d'entre eux sont des personnages qu'on aurait eu très envie de jouer dans l'aventure, comme Shield Knight, d'autres étaient des personnages secondaires sans moveset déjà existants, comme Mona, et d'autres encore de simples ennemis, comme le Samouraï Liquide. Pour chacun d'entre eux, Showdown propose un court mode solo qui consiste à enchaîner pendant une petite demi-heure les rencontres et les mini-jeux jusqu'à un boss de fin qui a été conçu spécialement pour l'occasion, le tout contextualisé par quelques bribes de scénario si inconséquentes qu'elles méritent à peine mention. Et c'est bien dommage car c'était la dernière occasion d'apporter du vrai développement à des personnages énigmatiques et fascinants comme Polar Knight, pour lesquels certains dialogues ou écrans de fin suggèrent tout un passé troublé et des connexions avec d'autres personnages. Ce mode solo est répétitif dès la deuxième run, et comme souvent avec les jeux de combat, ce ne sont pas les IA qui vont mettre le mieux en valeur ses qualités. Donc vous avez meilleur compte à trouver des amis avec lesquels vous adonnez plutôt aux affrontements multijoueurs. Je ne l'ai pas fait parce que... Voilà, mais même de loin, je pense pouvoir dire sans trop mouiller qu'à cause de l'extrême pauvreté du moveset de chaque personnage, qui se résume à 3 ou 4 coups pour conserver l'esprit du gameplay de plateforme des 4 aventures, on a vite fait le tour de l'expérience que Showdown a à proposer, et que vous n'allez lui donner la priorité par rapport à un Smash Bros, durant vos après-midi en société, que si vous êtes exclusivement en présence de grands fans de Shovel Knight. Pour autant, je pense quand même que Showdown est trop dénigré par les joueurs, qui bien souvent le remarquent à peine en passant sur l'écran titre, et le prennent pour un extra bidon.
D'ailleurs, certains d'entre vous ignoraient peut-être même complètement son existence. Et qu'au grand minimum, il mérite le coup d'œil. Toujours sur le même écran titre, nous avons un mode défi. Celui-ci propose pour chacun des 4 personnages jouables une liste d'épreuves de combat ou de platforming qui vont tester à fond notre maîtrise d'une mécanique spécifique, en étant très exigeant et généralement chronométré. Certaines mécaniques qui peuvent être complètement ignorées au cours de la campagne sont ici mises en valeur, par exemple la tenue alternative de Spectre Knight qui lui permet de surfer sur sa foule pour se déplacer plus vite, traverser les pics. Certaines autres, restreintes à une poignée de pièces, se voient offrir la place pour être davantage développées, comme ces tas de terre à travers lesquels Kill Knight peut forer, une mécanique toute conne mais magnifiée par l'objectif de ce défi qui nous demande de traverser plusieurs pièces sans jamais interrompre notre tourbillon initial. Il y a également des rematchs chronométrés contre tous les boss pour chaque personnage, mais honnêtement, entre leur réemploi de campagne en campagne et les boss rush de Shovel of Hope et Plague of Shadows, qui nous les font déjà recombattre, je ne pense pas qu'il y avait en plus besoin de leur dédier la moitié de ces défis. Il est difficile de nier que ces challenges optionnels sont bien fichus et stimulants à tenter. Malheureusement, le fait qu'ils soient ainsi découpés de l'aventure principale les prive cruellement d'un contexte qui est important pour motiver le joueur et s'investir dans des épreuves difficiles. Et en l'absence de récompenses plus substantielles que la simple satisfaction d'avoir tout coché sur cette liste, pas même un achievement, la plupart des joueurs ne se donneront pas cette peine. Ce n'est pas une bonne manière de mettre en valeur le travail qui est passé dans la conception de cette challenge supplémentaire, et je pense que Yacht Games aurait gagné à s'inspirer plutôt du monde étoile de Super Mario World, en proposant un lieu post-game secret, dans chaque campagne, qui compilerait ces mêmes défis, en leur donnant un peu de contexte scénaristique, en se terminant sur un true last boss, et en offrant comme récompense à ceux qui les auraient complétés quelque chose de symbolique, comme par exemple une couleur d'armure exclusive. Depuis l'écran de lancement de Shovel of Hope, vous avez la possibilité, discrètement indiquée dans un coin de l'écran, de lancer une partie en coopération qui vous permet de traverser tout le jeu et en particulier tous les niveaux avec à vos côtés un deuxième Shovel Knight, vert, contrôlé par un deuxième joueur. D'entrée de jeu, je suis très déçu que le deuxième joueur ne puisse pas contrôler plutôt Shield Knight, dont les animations et les options de gameplay ont déjà été codées pour Showdown. Ça aurait permis de raconter par le gameplay la proximité entre ces deux personnages qui est le moteur du scénario. Mais passons. Globalement, ce mode coop s'inspire de celui de New Super Mario Bros. Wii, qui a lancé la mode du multijoueur dans les plateformeurs modernes. L'or et les reliques sont communes. Un joueur mort peut revenir en vampirisant la moitié de la vie de son coéquipier. Les deux partenaires ne peuvent pas se blesser l'un l'autre, mais ils peuvent s'envoyer voler à coups de pelle, se gêner et se rebondir dessus. Et il suffit pour passer les écrans qu'un des deux joueurs atteigne la transition avec le suivant. L'autre sera téléporté à ses côtés. Comme c'était le cas pour Donkey Kong Country Returns, et comme c'est souvent le cas quand le jeu n'est pas pensé dès le départ pour la coop, ce mode est fonctionnel, mais maladroitement équilibré. Les challenges de combat sont bien plus simples, avec deux fois plus de puissance de feu, de vie, d'occupation de l'espace et de magie pour utiliser les reliques. En particulier, les boss ont beau avoir davantage de PV dans ce mode, leurs patterns et leur manière d'occuper l'espace ne sont pas faites pour gérer la présence de deux Shovel Knight en même temps, et ils se font pulvériser. En revanche, les passages de plateforme sont bien plus compliqués à deux, malgré quelques modifications mineures comme les bulles qui prennent deux coups avant d'exploser, à cause de tous les éléments qui reposent sur un timing précis et de la possibilité de se gêner mutuellement. Et puisqu'il suffit qu'un seul joueur atteigne le bord de l'écran pour avancer, le moins compétent des deux finit généralement par attendre sagement que les choses se passent, ou même rester mort. Il est également assez compliqué de conserver de l'argent dans ce mode, car la possibilité de revenir immédiatement à la vie en cas de faux pas encourage l'imprudence. Sans parler de la tentation constante, et bien compréhensible, de donner un coup de pelle à votre partenaire naïf pour lui faire visiter un trou sans fond. Évidemment, l'équilibrage du challenge de plateforme n'est pas la priorité de ce mode coop, c'est plutôt de s'amuser à plusieurs. Et vu son caractère anecdotique, ça n'aurait pas valu le coup de modifier les systèmes ou le level design du jeu de base pour qu'il se prête davantage à être parcouru à plusieurs. Ça reste une bonne manière de découvrir le jeu pour par exemple un enfant un peu trop jeune pour le niveau de difficulté de la campagne solo, que comme ça vous pouvez accompagner en tant que parent tout en vous amusant avec lui. L'aider à battre les boss et passer à sa place les challenges de plateforme les plus compliqués. Attendez-vous juste à ce qu'à force de se jeter dans le vide, votre gosse dilapide tout l'argent que vous parvenez à accumuler. Comme en vrai. Le dernier mode dont je veux parler est celui que vous débloquez dans chaque campagne une fois que vous le terminez. Le mode Plus, que vous et moi connaissons sous le nom de New Game Plus. Comme souvent avec ce type de feature, l'idée est de recommencer l'aventure en conservant toutes les améliorations que vous avez acquises. Reliques, vie, magie, armure, bref d'avoir dès le départ un personnage pleinement amélioré. En tant que tel, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc pour donner une fonction à toutes ces options de jeu supplémentaires, Yacht Club Games a eu la bonne idée de faire de ce mode plus un mode difficile déguisé. Dans sa version la plus basique, celle de Shovel of Hope et Plague of Shadows, votre personnage perd sa vie deux fois plus vite et n'a donc techniquement que 10 points de vie au lieu de 20. La grande majorité des regains de vie au sein des niveaux sont retirés et remplacés par des bombes, et il n'y a plus que deux checkpoints par niveau, un en son milieu et un juste avant le boss. Et bien qu'elle n'ait dû demander qu'un après-midi à implémenter, ces trois modifications changent tout.
Soudainement, vous êtes obligé de maîtriser chaque salle pour pouvoir les enchaîner pendant si longtemps sans perdre rapidement vos 10 PV. Ils ne peuvent pas remonter. Vous intellectualisez chacune de vos actions pour minimiser les risques, et vous faites pleinement usage des reliques pour vous débarrasser des ennemis le plus facilement possible, ou contourner des challenges de plateforme, grâce aux 100 points de magie dont vous disposez dès le départ. Les boss sont eux aussi rehaussés, car vous ne pouvez plus vous permettre de bourriner sans comprendre leur pattern. Il va vraiment falloir entrer dans le rythme du combat, anticiper les actions du boss, et apprendre ses différentes attaques et phases. En particulier, le boss rush dans la Tour du Destin est absolument brutal. J'ai passé plusieurs heures dessus avant de parvenir à le passer, ce qui m'a obligé à micromanager ma vie et ma magie comme un dingue, et à apprendre parfaitement le comportement de chaque boss pour pouvoir l'exploiter, comme aux meilleures heures d'un Dark Souls 3 ou d'un Mega Man 0. Les extensions Spectre of Tormund et King of Cards ajoutent toutes les deux une mécanique supplémentaire à leur New Game Plus. King of Cards a ce multiplicateur de gemmes qui augmente quand vous éliminez des ennemis et retombe à zéro quand vous vous faites toucher, ce qui multiplie d'autant tout l'argent que vous trouvez. Avec l'accumulation exagérée de capital, on est toujours dans l'inspiration Wario, et les mécaniques mises en place encouragent grandement le fait de ne pas se faire toucher du tout. Parce qu'alors, en plus de perdre votre multiplicateur, vous laissez tomber tout votre argent dans une explosion monétaire qui évoque pas mal les anneaux de Sonic, et devez en récupérer un maximum avant que ces gemmes ne disparaissent ou tombent dans un trou. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de ramasser tant d'argent puisqu'on a déjà acheté toutes les améliorations du jeu avant de commencer le mode plus? Et la réponse est que dans ce mode plus de King of Cards, c'est l'argent qui vous permet d'utiliser les reliques. La magie est complètement retirée. Et vous avez besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir spammer les reliques, parce que King Knight n'a que 4 points de vie, qui partent très vite, en particulier contre les boss. La boucle de gameplay se tient, et façonne une expérience radicalement différente de celle de l'aventure de base, plus intense et plus exigeante. Néanmoins, je dois dire que l'argent qui s'envole à travers tout l'écran à la moindre erreur est un système que je ne trouve pas très plaisant, principalement parce qu'il creuse l'écart entre une situation de réussite et une situation d'échec. Mieux vous vous en sortez, plus vous avez d'argent pour utiliser des reliques, plus vous pouvez vous permettre de ne prendre aucun risque, et donc de gagner encore plus d'argent. Mais à l'instant où vous vous faites toucher, vous devenez d'autant plus vulnérable que vous n'avez plus les moyens d'utiliser des reliques. Et c'est particulièrement embêtant contre les boss si vous mourrez et devez les retenter avec 0 centime en poche. La mécanique ajoutée dans Spectre of Torment est à mon avis plus cohérente avec l'expérience visée et mieux équilibrée. Les barres de vie et de magie de Spectre Knight sont fusionnées. Le crâne qui rend la vie en échange de magie est donc fort logiquement supprimé, et cette barre commune se vide lentement au fil du temps. Elle ne peut pas tomber à zéro sans que vous preniez un coup, mais elle peut vous emmener à la limite de la mort si vous traînez trop ou si vous spammez vos reliques. Heureusement, il y a de quoi remonter cette barre commune un peu partout, et notamment les ennemis lâchent de petits regards de magie fréquemment. Mais tout de même, cette mécanique ajoute la gestion du temps à celle du risque, de la vie et de la magie qui était déjà tendue dans le New Game Plus de Shovel of Hope. Vous êtes donc encouragé à faire un usage intensif mais pertinent de vos reliques, parce que même si elles coûtent de la magie et donc de la vie à l'utilisation, c'est souvent un investissement intéressant par rapport au déroulement normal des challenges de plateforme ou de combat, qui fait gagner du temps et retire le risque de prendre des dégâts. Je n'hésite pas à dire que le New Game Plus de Spectre of Tormund est la forme la plus aboutie du gameplay de Shovel Knight, et un petit bijou de game design. Évidemment, tous ces modes plus sont particulièrement difficiles, et ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Mais si vous appréciez le challenge et avez trouvé que Shovel Knight par défaut était un peu trop généreux avec les checkpoints, la quantité de vie et la facilité des boss, je vous recommande de le lancer dans ce mode la prochaine fois que vous retournerez dessus, et vous devriez être agréablement surpris. Alors voilà, on a fait le tour des 12 millions de modes optionnels, mais croyez-le ou non, notre tour d'horizon de ce que Shovel Knight a à offrir n'est toujours pas terminé, parce qu'il faut encore parler des succès. J'ai déjà fait tout un laïus sur l'intérêt en game design des succès dans une vidéo sur StarCraft et une sur Dishonored, que je vous encourage à aller voir, et l'objectif n'est pas de réitérer ça ici. Shovel Knight a plus d'une centaine de succès répartis entre ses 4 campagnes et Showdown, qui récompensent toutes sortes de trucs. Certains sont obtenus un peu automatiquement en jouant, et d'autres sont au contraire très exigeants. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les succès qui, par leur existence, mettent en avant différentes sortes de challenge run, assurent le joueur que cette manière de jouer a été prévue par les développeurs, et récompensent le fait de les réussir. Nous allons en distinguer 3. La run minimaliste, la run sans mourir, et le speedrun. On a déjà évoqué le concept de run minimaliste dans un lointain épisode sur Metroid Zero Mission, qui récompensait aussi ce style de jeu par des artworks au moment du décompte final. Le principe est de terminer le jeu en ignorant un maximum d'améliorations optionnelles du personnage. Exit les reliques, les points de vie et de magie supplémentaires, les modifications de bombes, ainsi que les armures. Vous êtes à poil, avec vos 4 PV de départ et votre pelle de la première à la dernière minute du jeu. Les deux succès qui correspondent à ce style de jeu dans Shovel of Hope sont Avare, qui demande de terminer l'aventure sans dépenser de pièces d'or, et à coup de pelle, qui nécessite de ne pas récupérer de reliques, avec des équivalents dans les autres campagnes.
Les contraintes qui viennent avec une run minimaliste ont typiquement comme effet d'encourager la compréhension profonde des mécaniques et du level design, pour compenser le fait que vous mourrez au premier moucheron qui éternue. Mais bien sûr, c'est un challenge extrêmement délicat. La run sans mourir, quant à elle, a un nom transparent. Il s'agit de traverser tout le jeu sans jamais mourir, et vous imaginez bien que ça n'a rien d'une promenade de santé non plus, parce qu'on parle d'une heure et demie de gameplay à la suite sans jamais tomber dans un trou, effleurer de la lave ou des pics, ou rater un combat de boss, dont les moments les plus exigeants sont bien évidemment situés sur la fin. Finir Shovel Knight sans mourir n'est pas une tâche aussi intimidante que finir un Mega Man sans mourir, ou même un New Super Mario Bros. Sans mourir, parce qu'il y a quand même de quoi vous soigner à intervalles réguliers et le jeu n'est jamais injuste dans ses sources de mort instantanées. Mais tout de même, le succès qui récompense ça et qui porte bien son nom s'appelle Impossible, mais plus intéressant que ça, il y en a deux autres dont l'obtention constitue des étapes intermédiaires avant de se lancer dans la vraie run sans mourir. Plateformiste qui demande de ne jamais tomber dans un trou sans fond, ce qui représente les trois quarts de vos morts en temps normal, et J'ai tout cassé qui demande de briser tous les checkpoints du jeu, et donc d'être capable de parcourir chaque niveau en une seule fois. Si vous arrivez à obtenir séparément ces deux succès, vous êtes bien parti pour arriver à les combiner dans une même run. Pour les plus prudents qui visent seulement le succès et pas la gloire, il est toujours possible de dupliquer sa sauvegarde entre chaque niveau, ou de quitter l'écran titre à la moindre mort, pour que le jeu ne tienne pas compte de vos échecs, ce qui constitue en pratique un checkpoint offert entre chaque niveau. Et enfin, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer en détail le concept du speedrun, terminer le jeu le plus rapidement possible. Beaucoup de plateformeurs de la NES ont une solide communauté de speedrunning, et certains ont été si complètement maîtrisés au fil des années que les améliorations possibles au meilleur temps ne se comptent plus en secondes mais en frames. Yacht Club Games a voulu rendre hommage à cette culture et lui faire des appels du pied en rendant le jeu aussi speedrun friendly que possible. Ça commence donc par ce succès qui vous demande de terminer le jeu en moins d'1h30 pour encourager un maximum de monde à essayer. 1h30, c'est tendu pour le commun des mortels et ça va demander d'aller à l'essentiel lors de vos passages en ville, d'ignorer la plupart des écrans optionnels y compris ceux qui contiennent des reliques que vous ne prévoyez pas directement d'utiliser, et bien sûr de mourir aussi peu que possible, même si là aussi l'astuce du retour à l'écran titre permet de réaliser sa run en plusieurs segments et de les retravailler individuellement jusqu'à ce qu'on en soit satisfait. Chaque campagne indique également dans son générique de fin votre temps total, et celui sur chaque niveau, ainsi que le record du monde actuel de speedrun sur cette campagne. Enfin et surtout, les niveaux sont designés avec le speedrun en tête. Yacht Club Games a travaillé avec des speedrunners pendant la phase finale de peaufinage des niveaux pour rendre leur traversée aussi fluide que possible. Ça recouvre des questions de timing de mouvement des plateformes, de positionnement des ennemis ou des éléments de gameplay pour qu'un gain de temps grâce à un rebond astucieux soit souvent possible, de chemins secrets que les plus pressés peuvent emprunter au lieu de s'embêter avec une mécanique laborieuse, qui seront invisibles pour la plupart des joueurs, mais qui vont vraiment faciliter la vie à ceux qui essayent de terminer le jeu aussi vite que possible. Deux anecdotes méritent mention parce qu'elles révèlent bien cette philosophie. Déjà, les rencontres sur la carte contre des monstres ou des boss errants, qui en temps normal seraient la plaie des speedrunners à cause de leur caractère aléatoire. D'ailleurs, c'est la plus grosse source de perte de temps non maîtrisée dans le speedrun de Super Mario Bros. 3. Et qui ici sont programmés pour ne simplement pas apparaître, si le joueur a complété les niveaux jusque-là assez vite. Et ensuite, la question des glitches, utilisés pour prendre des raccourcis. Il a rapidement été découvert dans le niveau des plaines de Shovel of Hope qu'il était possible de skipper plusieurs écrans en atteignant un certain point assez haut au-dessus de la limite visible de l'écran du dragon, grâce aux bulles qu'il envoie. C'est évidemment un glitch qui a fait débat sur sa légitimité jusqu'à ce que Yacht Club Games intervienne. Là où Nintendo aurait patché le glitch sans cérémonie, et aurait forcé ceux qui voulaient s'en servir à jouer sur une version pas à jour du jeu, là où d'autres n'y auraient pas touché et auraient laissé les speedrunners se démerder avec leurs débats qui n'intéressent que eux, Yacht Club Games a fait bien mieux. Ils ont patché le glitch, mais pour le transformer en raccourci officiel, ce qui est indiqué par l'effet sonore et la transition de caméra qu'il déclenche, le rendant légitime aux yeux de tous. Et voilà, nous avons enfin fait le tour de ce parc d'attractions de contenu annexe, de modes secondaires et de challenge run que Shovel Knight propose. Il est parfaitement possible que vous ne soyez pas intéressé par tout ce qui a été décrit ici. Il est même possible qu'au premier abord vous ne soyez intéressé par rien, parce que les 4 campagnes à la suite sont déjà assez longues, et qu'après vous les êtes enfilés à la suite, vous ayez envie d'aller jouer à autre chose. Mais ça fait de Shovel Knight un jeu sur lequel il fait bon revenir, que vous pouvez facilement redécouvrir autrement, et je ne pense pas prendre beaucoup de risques en disant que cette rejouabilité extrême va certainement participer à cimenter son statut de classique pour les décennies à venir. Pour conclure, Shovel Knight arrive à être beaucoup de choses à la fois, et à exceller dans chacune d'entre elles. C'est la somme de l'expérience accumulée dans le game design des plateformers 2D pendant plusieurs générations de consoles, étudiée, comprise, digérée, distillée,
en une expérience de quelques heures parfaitement maîtrisée et adaptée aux attentes de sa propre époque. C'est un trip nostalgique qui triche avec les contraintes qu'il prétend s'imposer mais qui parvient néanmoins à évoquer les meilleurs souvenirs de l'époque 8-bit à travers ses choix de gameplay, d'esthétique, de narration, tout en ayant un œil critique sur les conventions qu'il reprend, et bien souvent en les dépassant. C'est un exemple éclatant de réussite d'un projet financé directement par les joueurs qui n'a pas trahi leur confiance, même dépassé leurs attentes, d'une équipe indépendante passionnée et extrêmement talentueuse, et d'un modèle économique incroyablement généreux pour le consommateur, aux antipodes des grosses productions de la même époque, qui cherchent au contraire à extraire chaque centime possible de leurs acquéreurs à travers des season pass, des microtransactions, des abonnements mensuels. C'est l'horizon moderne du Megaman-like qui prouve que ses codes de level design sont robustes et toujours pertinents, et qui place très haut une barre que jusqu'ici aucun autre successeur spirituel n'est arrivé à approcher. Et puis tout simplement, c'est un excellent platformer, même une fois sorti de tout contexte, qui semble explorer toutes les possibilités ludiques du genre et pousser aussi loin que possible chacune de ses idées de gameplay. À la présentation impeccable, qui offre une expérience longue, riche, variée et continuellement plaisante. Pour toutes ces raisons, je n'hésite pas à dire que Shovel Knight est une pierre blanche dans l'histoire du médium et un des jeux les plus importants de sa décennie, à la fois culturellement, artistiquement et pour ce qu'il représente au milieu de cette industrie. Il s'est bien vendu, mais à mon sens, pas assez. En l'absence d'un éditeur comme Nintendo pour le distribuer massivement et le mettre en avant auprès d'un public jeune qui aurait tout intérêt à jouer à ça plutôt qu'à Clash of Clans de mes couilles, son principal public a été les adultes informés sur le jeu vidéo et ayant connu l'époque qui est référencée ici. Si vous n'aviez jamais touché à Shovel Knight avant de voir cette vidéo, eh bien déjà merci d'être resté jusqu'au bout, votre curiosité vous honore, et ensuite je vous encourage vivement à vous ruer dessus. Si vous y avez joué il y a quelques années mais que les extensions vous sont passées sous le nez, sachez qu'elles sont tout autant dignes d'intérêt que le jeu de base, si ce n'est plus. Et si vous avez déjà poncé Shovel Knight, il doit bien y avoir un mode plus, des défis ou quelques succès que vous avez laissés de côté, qui n'attendent que votre retour. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, dont la longueur s'explique pour une fois par la quantité de ressources documentaires disponibles sur Shovel Knight. En particulier, le fameux blog de YoClub Games contient une myriade d'articles détaillant leur processus de développement, sur lesquels je me suis beaucoup basé pour aborder le jeu de la manière la plus informée et objective possible, et dont je vous recommande fortement la lecture parce qu'ils sont bien écrits et divertissants, en plus d'être instructifs. J'ai laissé une sélection des articles les plus en lien avec ce qui a été discuté ici, dans la description. Je vous encourage comme d'habitude à engager la discussion dans l'espace commentaire si vous avez des questions, des précisions, des corrections, des remarques, et je vous dis à la prochaine fois. En attendant, plutôt que d'esquiver les boules de feu comme un pleutre avec votre collier de phase, profitez de l'occasion rare de les renvoyer à grands coups de pelle. Mais Shovel Knight est sorti à un moment où les écrans en 16:9 étaient déjà un standard absolu, et les développeurs ont jugé... Mais Shovel Knight est sorti à un moment où les écrans en 16:9 étaient déjà un... Elle va gagner, hein. Je vais la foutre dehors. Mais non, après, il faudra surveiller, ça va être trop long. Mais Shovel Knight est sorti à un moment où les écrans en 16:9 étaient déjà un standard absolu, et les développeurs ont jugé...